tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. La musique, c'est pour qu'on s'endorme tout de suite ou... Attends, Lyra, je prépare un truc. Attends, j'arrive. Mesdames et messieurs, voici un moment extraordinaire. Ce n'est quand même pas Harry Potter. Aujourd'hui, nous allons rempoter des mandragores. Dobby doit servir à tout jamais la même famille. Tu vas voir, c'est ce sale petit coffre là, répugna. Hermione, il n'en vaut pas la peine. Exactement, 10 points pour Gryffondor. Jeune Jean, s'il vous plaît, pas d'affolement. Gryffondor avec un total de 312 points. Je ne suis pas Harry Potter. Souffle avec 352 points. Lui c'est Crabbe. Et lui Goyle. Je m'appelle Malfoy. Drago Malfoy. C'est écrit voix numéro 9 3 quarts. Ça n'existe pas. Wingardium Leviosa. Albus Dumbledore, quel est le plus grand sorcier du monde? Wingardium Leviosa. Pas de chance. Grande bonnet. Merci Alex pour ton cinquième mois. Albus Dumbledore, quel est le plus grand sorcier du monde? Wingardium. L'aptitude des plus élémentaires d'un sorcier est la lévitation, ou la capacité de faire voler. Vous avez tous votre plume? Bien. Ton train part dans 10 minutes. Wingardium Leviosa. Allez-y. Non, stop, stop, stop. Allez, dépêchez-vous. Serre d'aigle avec un total de 426 points. Et dites debout. Serpentard. Avec 472 points. Le célèbre Harry Potter. Debout. Il ne peut pas entrer chez un libraire sans faire la une des journaux. Debout. Je vous attends. Quel rap, je sais. Faible. Je ne suis pas faible. Alors prouvez-le. C'est pour pas qu'on s'endorme. On tourne et on abaisse. Expérience. C'est une excellente idée de leur montrer ça à professeur Rod. Expérience. Salut le sorcier photo. J'ai prévu les dragées ce soir. Hello à tous. Je sais pas si vous connaissez cette vidéo, French Fuse. Évidemment, quel banger, quel banger. Hop, la pub. Comment ça va tout le monde? Il paraît que ma musique endort les gens au début. Alors, on a mis un petit rap un peu plus dynamique, mais je vais remettre ma musique soporifique parce que j'adore en musique d'ambiance. Merci Noémie pour ton 7e mois déjà. 7 mois, merci Noémie. Je vois que les annonces de sub... sont toujours OSEF. Je croyais avoir réparé ça et apparemment pas du tout. Attendez, je fais un test là. Twitch, ouais. Vous venez de gagner un mois de retenue, McLagan. Ouais, normalement c'est censé faire ça. Je comprends pas, je sais pas. Je vais mettre les sons à zéro. Save changes, ouais. Parce que j'aime pas le truc. Je suis à vous dans 2 secondes. Hein. C'est Streamlabs là, je sais pas ce qu'il me fait. Ah non, c'est les resubs. Non, je sais pas. C'est pas grave, on verra. Bonsoir à tous, j'espère que ça va. En tout cas, merci Alex, merci Noémie hein, pour le renouvellement, ça fait plaisir. J'adore cette vidéo avec la musique. Ouais, trop bien. Attendez, je vous mets le lien quand même.
Hop, je vais spammer. Ah, mais c'est quoi? C'est quoi? Chicanos Toulouse. Merci pour ton troisième mois. Désolé, je suis... Je comprends pas pourquoi mes alertes, mes petits gifs ont sauté, mais c'est pas grave. Salut à toi, Chicanos Toulouse, c'est cool. Attendez, je vous mets dans le chat. Hop. Ouais, c'est la... Ok, c'est la channel. Hop, French Fuse. Ils en ont fait plusieurs, hein, des vidéos Harry Potter, c'est trop bien. Mais j'avoue, ça met l'ambiance en début de live, je sais pas ce que vous en pensez. Salut Dicanou, salut petite Clara. D'ailleurs, la petite musique d'ambiance, hop. Je vais la mettre un peu plus élevée. Salut à tous, qui y a-t-il? Lyra, coucou Zwinfi, ça fait longtemps. Ça fait combien de temps que tu as ouvert la chaîne déjà? Oh, c'est une bonne question ça. La chaîne Twitch, elle a été ouverte avant la pause. Attendez, il y a un moyen que je vois ça facilement. Attendez. Chaîne, si je vais dans mes paramètres. Chaîne. Si hop, j'ai le retour, c'est pas bon ça. Je sais pas où aller, je sais pas. Dans. Peut-être dans mon tableau de bord, je peux voir. À moins que ça soit public et qu'on puisse voir, mais je ne sais pas. Gestionnaire de stream, statistiques. Non, ouais, je sais pas. Je sais pas, ça fait combien de temps, mais ça commence à faire. Ça fait plus d'un an, ça c'est sûr. Ça doit faire un an et quelques. Je sais pas. J'y connais rien à Twitch, c'est un enfer. Ça fait plus d'un an que j'y suis, j'y connais toujours rien. Vous voyez, hein, le gros noob, hein, toujours en puissance, hein, bien sûr. Hein. je l'avais à chaque début de live. Ok, ok. Ouais, pourquoi pas, un petit rap et tout, ça serait pas mal. Depuis février l'année dernière. Ok. Janvier plutôt. Ok, janvier de l'année dernière. Ok, donc ça fait bien, ça fait presque un an et demi, ok. Un an et demi déjà. On va pouvoir dormir demain. Oui, oui, bah c'est vrai que c'est pas mal, du coup, là, avec le fait que ça soit là, férié demain, lundi, c'est plutôt cool. Je sais pas si je vais finir le live plus tard que d'habitude, mais en tout cas, peut-être que, je sais pas, peut-être que vous allez être plus motivé à rester longtemps, parce que je sais que des fois, le dimanche, bah, passer 22h30, bah, quand il y a réveil tôt le lundi matin, je comprends tout à fait que c'est un peu compliqué. Là, peut-être que vous êtes con... Voilà, peut-être que vous avez pas d'obligation demain, ce qui est plutôt cool. Grâce Mat, ouais, exactement. Depuis la sortie d'Hogwarts Legacy. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. J'avais ouvert la chaîne Twitch au moment de la hype, de la sortie d'Hogwarts Legacy. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite session. Mes parents veulent pas que je regarde aussi tard, normalement. Ah, donc LRDF, t'as une petite... une petite, comment on appelle ça? Une autorisation spéciale, quoi, pour aujourd'hui, c'est cool. Ça y est, je suis là, coucou tout le monde, c'est sympa de se retrouver le dimanche. Carrément, salut Noli, salut. Je lis un petit peu vos messages. Première fois que je viens sur le live, vu qu'il n'y a pas cours demain. Ah bah voilà, Alice, bienvenue. C'est cool, le petit jour férié qui fait plaisir. Le programme de ce soir, les amis. J'avais fait un sondage au dernier live, où j'avais demandé un peu ce que vous vouliez. Est-ce qu'on finit Harry Potter 3 ou est-ce qu'on commence Harry Potter 4, le jeu? Le truc, c'est que je n'ai pas réussi à installer Harry Potter 4, d'accord? Voilà, j'ai essayé, j'ai tout fait, je n'ai pas réussi. Pour la simple et bonne raison que... Bah, en fait, je sais pas, mais le site sur lequel je passais, ça, on me l'avait dit au live de la semaine dernière... Donc c'est un site qui s'appelle Abandonware qui est très pratique pour retrouver des vieux jeux rétro et qu'on peut installer facilement sur des Windows. Bah, pour le 1, 2, 3 c'était ok, mais ils ont pas le 4. Donc déjà ça a compliqué un peu les recherches. Et franchement, pour avoir recherché un petit peu en ligne et tout, c'est des sites douteux, j'ai pas envie d'installer un virus de mange-mort ou je sais pas quoi. Donc du coup j'ai un peu abandonné l'idée, surtout que je sais pas, peut-être pour Harry Potter 4 ça va demander un peu plus de temps parce que je suis à deux doigts de limite l'acheter d'occasion la version PC CD-ROM, c'est-à-dire vraiment le disque. Par contre, sur mon PC actuel, je n'ai pas de lecteur CD, donc il faudrait que je trouve une solution. Mais à mon avis, c'est... Je sais pas si la version CD-ROM, vraiment le CD physique, ça peut marcher. Il suffit juste que je trouve un adaptateur, voilà, un truc USB pour pouvoir lire un CD-ROM. Mais est-ce que ça peut s'installer sur les Windows actuels? Je pense que oui. Et ça m'a l'air d'être la seule solution parce que vraiment les liens de téléchargement un peu bizarres. Donc pour cette raison, ce soir, on va terminer tranquillement Harry Potter 3.
Et en plus, comme ça, on aura le devoir, le sentiment du devoir accompli. Parce que on a fini l'histoire, mais il reste encore toutes les petites épreuves et tout. Puis voilà, un petit live chill sans trop de pression. J'ai prévu les dragées, comme j'ai montré au début. Les petits dragées, parce qu'il risque d'y avoir un peu de décès, malheureusement. Et à chaque décès, je promets de manger une dragée, bien sûr. Salut Olivarius. Je me suis posé une question par rapport aux lettres pour Harry. Pourquoi il a jamais reçu de lettre d'anniversaire ou autre avant d'aller à Poudlard? Dans le sens où on peut envoyer un hibou à n'importe qui sans connaître l'adresse. Je pense qu'il y a forcément des gens qui auraient voulu envoyer des lettres à Harry vu qu'il est célèbre. Bah Lyra, c'est sûr de ça qu'on peut envoyer un hibou à n'importe qui? Ça se trouve, l'adresse des Dursley était quand même vachement protégée. Peut-être que Dumbledore, il a mis des choses en place pour justement éviter que des sorciers... On voit des hiboux à Harry, surtout sachant qu'il vivait chez son oncle et sa tante Moldu. Donc je pense que c'était pas possible. Je pense qu'il était suffisamment protégé. Il y avait suffisamment de... Comment dire ? Enfin, sa vie privée était quand même suffisamment sécurisée pour que les sorciers puissent pas trouver l'adresse de Harry et donc l'adresse des Dursley aussi facilement que ça. Moi, je pense que ça serait l'explication. Ou carrément intercepté, ouais, comme dit Noli. Pourquoi pas, hein. CD-ROM, ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce terme. Eh ouais, bienvenue, CD-ROM. Disquette, si je... Lecteur disquette. Sinon, Lego Harry Potter. Ouais, en plus, les Lego Harry Potter, je les ai, hein. Alors, je les ai pas installés. Donc, je vais pas faire monter la hype pour ce soir, ce sera pas possible. Faudrait que je les réinstalle... ouais, faudrait que je les réinstalle sur mon PC, mais j'ai les jeux sur Steam. Et Harry Potter, ouais, les Lego, c'est carrément simple. Mais les vieux jeux, là, à partir du 4, ça commence à être compliqué. On est dans une espèce d'entre-deux. C'est des jeux rétro, mais en mode... C'est moins rétro, évidemment, que les trois premiers. J'ai l'impression que ça intéresse moins de monde. Je crois que c'était une purge, en plus, le 4. Je sais pas si vous connaissez le jeu Harry Potter 4, que ce soit sur ordinateur ou sur console. Je sais pas si vous y avez joué à l'époque, mais j'ai entendu dire que c'était une purge. Et donc, peut-être aussi qu'il est beaucoup moins populaire que les autres, je ne sais pas. Ah, trop bien les dragées avec les belles couleurs en plus, bien printanières, goût crotte de nez, ça me rappelle quand ils sont sortis. Ouais, regardez cet assortiment de couleurs. Magnifique, n'est-ce pas? Ouais, c'est ce qui m'attend. Il va falloir que je fasse gaffe. Une cassette VHS, ouais, on peut faire un petit bac, vous savez, un petit listing de toutes les terminologies de technologie qui remontent en arrière et qui font Madeleine de Proust, j'adore ça. Cassette VHS, vous savez, moi, je sais pas quel âge vous avez dans le chat, mais moi j'ai connu les cassettes VHS, évidemment, dinosaure que je suis, et j'avais les deux premiers Harry Potter en cassette. Moi c'est pour revoir les films, j'avais pas encore de lecteur DVD chez mes parents, par contre j'avais une toute petite télé, et une petite télé avec un lecteur cassette intégré en dessous, et j'avais ça dans ma chambre, et du coup j'avais acheté la cassette VHS de Harry Potter à l'école des sorciers, et la cassette VHS de Harry Potter et la chambre des secrets. Et je les ai poncés si bien que je suis sûr que là, si je mettais un magnétoscope, nouveau mot un petit peu Madeleine de Proust qui fait plaisir, si je prends un magnétoscope et que je regarde ça sur une télé, à mon avis, la qualité n'est pas super tellement que je les ai rembobinés, etc. Le 5, il est bien. Le jeu, ouais. Si on cherche Sirius Black, on lui envoie un hibou, même si on ne sait pas où il réside, on n'a qu'à suivre le hibou et Sirius est trouvé. Ouais, je pense pas que ça soit possible en vrai. Il faut faut quand même indiquer à sa chouette où trouver le destinataire. Après, il y a quand même des scènes où Harry dit « c'est pour Sirius, tu sais où le trouver », mais... Ouais... Il faut quand même que le sorcier sache. Hein. C'est-à-dire que je pense que le hibou, la chouette, peut pas trouver comme ça, hein, tout seul. Hein. Le 4 est horrible, ok, Olivarius, ouais. Un Walkman, Zwinfi, exactement. Un Walkman, ça me parle, c'est ma jeunesse. Enfin, Walkman, j'avais le lecteur CD. Hein. Désolé, je suis dans le passé, désolé si je rate quelques messages. T'es un YouTuber beauté après nous avoir montré les bijoux, les dragées. Ah oui, alors attendez, la petite main pour cacher mon visage, voilà. Petite main pour faire le point, ça marche pas du tout, sur mon visage, pour ensuite vous montrer les dragées. Avec une parfaite mise au point, j'en mets partout, c'est nickel. Betamax Aruno, tu me parles, tu sais pourquoi? Parce que j'ai fait un BTS audiovisuel, montage et post-production, et Betamax, je sais de quoi tu parles.
J'ai 17 ans, mais j'ai passé mon enfance à regarder des dessins animés en cassette chez mes grands-parents. Ok, c'est cool, c'est cool. Ah, 17 ans, franchement, je pense que c'est pas le cas de tout le monde du même âge qui a regardé des VHS. Lyra, tu fais peut-être partie d'une espèce rare. J'ai 24 ans, j'ai regardé Retour vers le futur sur cassette. Trop bien, Ben Smile. J'avais HP1 en cassette aussi. On la mettait sur le magnétoscope, quel bon souvenir. Ah, oh, vous me faites plaisir, mais là, ça ravive des souvenirs, Maud. C'était les 101 Dalmatiens qu'il fallait toujours rembobiner. Ouais, le rembobinage, terrible. J'ai eu la VHS de Harry Potter 1, je mettais des scènes en boucle. Alors, je vais vous avouer un truc de ma life. C'est-à-dire que Harry Potter, bah, ça a été tout de suite une grosse passion pour moi. Quand j'ai découvert le premier film au cinéma, je lisais pas de livres. J'ai dévoré les 4 premiers livres qui étaient sortis à l'époque, après avoir vu le premier film au cinéma. Et du coup, bah, voilà, je suis devenu fan de Harry Potter, mais je suis aussi devenu fan de cinéma, voilà, de films, etc. Et j'avais une espèce de fantasme à 11-12 ans. C'était d'avoir mon propre cinéma, d'être gérant d'une salle de cinéma. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais j'ai commencé, c'est trop tard. Et du coup, comme je vous disais, j'avais une petite télé avec cassette, c'était vraiment dans ma chambre. J'avais un lit en mezzanine, donc c'était en dessous de mon lit en mezzanine. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je chirais les rideaux et vraiment, ça faisait un endroit clos, dans la pénombre, même s'il faisait jour. Et je me souviens que sur les cassettes, en tout cas du 1 et du 2, il y avait des bandes-annonces au début. Et donc du coup, ça faisait exactement comme au cinéma. Donc en fait, je mettais play au début de la cassette et ça jouait des bandes-annonces, des films Warner de l'époque et tout. Et du coup, pendant que c'était les bandes-annonces, c'est genre, je mettais une petite lumière tamisée. Vous savez, comme au cinéma, c'est-à-dire qu'au cinéma, la lumière se baisse petit à petit, donc je mettais un petit peu de lumière pendant les bandes annonces et quand le film se lançait, je fermais complètement les lumières et évidemment, genre, je faisais la séance de 14h, quoi, c'est-à-dire que ça commence, les bandes annonces commençaient à 14h. J'étais bizarre, hein. J'étais un enfant assez solitaire, comme vous pouvez voir. Ma soeur a fait un BTS audiovisuel. Ah bah, tu sais de quoi tu parles alors, Ben Smile, ça fait plaisir. Les vieux Disney sur cassette, ouais, un classique. J'avais Roxy Rookie, moi, sur VHS aussi. Tu t'améliores en tant que youtubeur, go devenir le plus gros youtubeur de France. Oh, Olivarius, je pense pas, non. Et on est entre nerds ici, hein, rappelez-vous. Hein. Vous parlez de quoi? Là, je suis en train de parler de ma life, Mooney. Je sais pas si c'est la meilleure partie du live, mais c'est comme ça qu'on a commencé. Maintenant, tu as ton studio Twitch, petite lanterne, etc. J'adore l'imagination des enfants. Mais finalement, est-ce que avec le podcast, le Twitch et tout, est-ce que j'ai pas quelque part réalisé mon rêve de faire de l'animation, machin? Peut-être, hein. Peut-être qu'il y a un petit peu de ça, des trucs qui remontent à l'enfance. Les bandes annonces du début des VHS mythiques. Attendez, je vais regarder, si ça se trouve, je l'ai dans la collection derrière. Attendez, bougez pas. Je les ai. Moi, je regardais Frères des Ours en boucle sur cassette. Ah, les dessins animés, ouais. Beaucoup de dessins animés. Hein. J'ai eu la petite télé avec lecteur cassette qui m'a suivi en études supérieures. C'est entre 2009 et 2012 avec évidemment les Disney. Ouais. J'ai réalisé mon rêve, ouais, exactement. Bon, je vais faire une Madeleine de Proust à certains. Je sais pas si vous les avez chez vous encore. Moi, il y a plein de trucs que j'ai pas gardés, notamment dans l'épisode d'Enregistre au bal des sorciers. On avait évoqué, je crois que c'était Pauline, c'est toi qui disais ça. Que t'avais encore le coffret avec les 4 livres. Moi, c'est le cadeau que j'ai reçu après avoir vu le premier film au cinéma, parce qu'il y avait ce fameux coffret, mais que j'ai perdu. Par contre, bah, ce dont je vous parle, les VHS, je les ai encore. Et ça, je suis content de les avoir gardés. Ah, il y a la lumière. Attendez, je vais couper la lumière, vous verrez peut-être mieux. Voilà, bon, il y a un effet miroir, mais voilà la cassette. Donc ça, c'était le premier avec le dos. Et attendez, je vous montre quand même l'objet de collection. Donc, les jeunes, une VHS ressemblait à ça. Donc voilà, avec le petit... Il y avait quand même une petite étiquette ici. Bon, le point se fait pas, mais voilà, vous avez capté. Et du coup, bah voilà, c'est une cassette, quoi. Hein. Donc il fallait mettre ça dans un magnétoscope. Et il fallait surtout rembobiner une fois qu'on avait terminé le film. Et je pense qu'ils ont fait que les...
deux premiers en cassette en vrai, parce que à partir du Prisonnier d'Azkaban, je crois que ça se faisait plus. En tout cas, moi, le premier DVD que j'ai eu, c'était le Prisonnier d'Azkaban. Et donc, j'ai aussi la cassette du 2. Voilà, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Vous voyez l'épaisseur que c'était quand même. Fallait de la place quand même pour stocker ça. Et je crois que c'est pareil, ça doit être... Ouais, voilà, c'est exactement la même étiquette, voilà, exactement le même type de cassette. Donc ça, j'ai même plus moyen de les regarder, mais c'est des objets de collection, il faut absolument garder ça. Absolument garder ça. Et j'ai tous les DVD aussi, là, je pourrais vous montrer. C'est un bel objet, carrément. J'ai eu le premier Harry Potter en DVD, par contre, et je l'avais aussi saigné, genre les sortes de petits jeux avec l'énigme des potions. Ah, ça me rappelle quelque chose, Hello. Effectivement, il y avait des mini-jeux, je crois, dans les DVD. J'ai plus de mes cassettes, moi. Ah, trop dommage, Noémie. Et comme je suis dégoûté de plus avoir mon coffret des 4 livres, hein, mais c'est important. Peut-être, en plus, je suis pas matérialiste, donc j'ai un peu tendance à revendre ou à me débarrasser de choses. Mais plus le temps passe, je pense que c'est l'âge, je pense que c'est la calvitie, je pense que c'est les cheveux blancs. Je pense que c'est le fait de préférer le chocolat noir au Nutella. De plus en plus, mais de plus en plus, je suis attaché aux objets. Et par exemple, là, les VHS, je suis trop content de les garder. Mon meilleur souvenir, c'était d'aller louer des cassettes avec mon père au vidéo club. Ça existait encore quand j'étais petite, c'était le rituel du dimanche, trop bien, avec toutes les jaquettes et tout. Ah ouais, j'imagine. C'est fou, on a vécu dans une réalité qui n'existe plus. C'est dingue, hein, de se dire ça. Les bonus du 1, ouais. Ouais, d'ailleurs, il y avait les scènes coupées, ça je m'en souviens. Il y avait les scènes coupées dans les cassettes. Alors, peut-être Lyra, tu parles de DVD, mais dans les cassettes, il y avait les scènes coupées. Mais du coup, il fallait. C'était à la fin du film, il fallait aller en avance rapide pendant le générique de fin. Et à la fin du coup du générique, il y avait quelques scènes coupées. Peut-être même plus épais que les premiers tomes en bouquin, les VHS. Oui, c'est grave possible, ouais, ça prend plus de place en tout cas. Quand ton magnétoscope commençait à déconner et qu'il rembobinait mal, tu finissais par le rembobiner avec tes doigts pour éviter de détruire les films. Ouais. Et surtout, c'est ça qui a vraiment changé avec les DVD à l'époque. C'était que ça abîmait plus les films. Le nombre de fois que tu les regardais, que tu revenais en arrière et tout, ça c'était un vrai truc. Hein. Parce que vraiment, je pense que les VHS, là, sont pas dans leur prime. Hein, parce que vraiment, je les ai saignés. Et plus on les rembobinait, enfin, ça s'usait quoi, une cassette. Est-ce que je suis la seule à n'avoir jamais réussi les briques pour rentrer sur le chemin de traverse dans les bonus du 1 ? Lyra, je m'en souviens plus. Faudrait que je le fasse. Et limite, on pourrait se le faire en live. Salut la petite frappe. Par contre, il y a toujours un magnétoscope chez mes parents. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, magnétoscope, même si on en a un, ça se branche plus sur les télés modernes. Je sais pas trop c'est quoi la meilleure solution. Parce que je sais plus comment connecter un magnétoscope à une télé, mais c'était les vieilles télés en tube cathodique qui se font plus. Donc je sais pas si c'est si simple que ça. Ça se trouve, après, ce qui se trouve, je pense, c'est peut-être des magnétoscopes adaptés justement avec du HDMI derrière pour que ça soit simple. Et grave, par exemple, faire une soirée film, genre soirée pyjama film avec les cassettes Harry Potter. Oh ouais. Ouais, faut que j'envoie un message à Marina, faut qu'on se fasse ça. Le vidéoclub avec les amendes si tu ramenais pas le DVD deux jours plus tard. Moi j'ai eu ça, mais en bibliothèque. Quand j'étais étudiant, les bibliothèques de Caen, y avait une partie médiathèque et j'empruntais beaucoup de DVD. Surtout que j'étais à fond dans le cinéma, comme je disais plus tôt. Je suis dégoûté de plus avoir le DVD, mais j'ai gardé tous mes livres. Les DVD, je les ai. Attendez, je vous lis un petit peu et je vous montre les DVD. L'enfant maudit, je pense pas, Alice. Hein. Bon, déjà, on va essayer de faire tous les Harry Potter, et puis après on verra. Mais comme on a tendance à pas considérer le script de l'enfant maudit comme la suite officielle de l'histoire, en tout cas, on ne l'incorpore pas dans notre canon à nous. Ça serait un peu compliqué. Mais pourquoi pas en vrai, parce que ça nous a été souvent réclamé. Ils s'en servent plus, mais techniquement, ça marche le magnétoscope. Ok. Oh, je sais pas, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu une bécane comme ça. On retourne vraiment dans le passé avec la télé où tu devais te lever pour changer de chaîne. Oh ouais. Et du coup, tu prenais un grand bout de bois. Ouais, genre une canne. Merci des souvenirs. Carrément. Déjà, sur le magnétoscope, t'avais pas forcément la télécommande. Donc, ne serait-ce que pour faire marche arrière, marche avant et tout. Aïe, aïe, aïe. Là, on vous parle d'une époque. Alors, les DVD, je sais pas si... Parce que
Ça se trouve, je sais pas si vous avez tous connu les DVD en vrai. Hein. S'il y en a des jeunes parmi vous, si, bah ouais, peut-être en moins les derniers. Mais par contre, moi, je sais pas vous, mais les premiers DVD étaient magnifiques. Vraiment. Et je pense surtout aux deux premiers. À partir du 3, c'est devenu assez standard. Mais si vous avez jamais vu les deux Harry Potter 1 et Harry Potter 2 en DVD, c'était, ils y mettaient vraiment le soin à les faire. Donc ça, c'est la jaquette du DVD du 1 de l'époque. Plutôt bien conservé, hein. je suis fier de moi. Hein. Voilà, avec Dodo. Donc moi, ça je les ai achetés après. Je pense que je les ai achetés à peu près en même temps que le 3, parce que c'était le premier DVD que j'avais. Donc, du coup, j'avais dû demander à mes parents d'avoir le 1 et le 2 aussi. Et la particularité du DVD du premier, et c'est exactement c'est tout pareil que pour le 2, pour la Chambre des Secrets. En fait, c'était sous forme de livret comme ça. Attendez, je vais essayer de ne pas faire tomber tout. Oh, je sais même pas comment je vais vous montrer tout ça. Attendez. J'ai pas envie de casser quoi que ce soit. Ah, mais c'est fou, il y a 3 CD. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Enfin, ce chef-d'œuvre. C'est immense. Ah ouais, dans sa tombe. Merci. Ah, puis c'est à moitié cassé, je pense, c'est pour ça. Bon, je le tiens comme ça. C'était sous forme de livret comme ça, qui se dépliait. Vous aviez... C'était quoi? Pourquoi il y a... Ah oui, il y avait un DVD pour le film et un DVD pour les bonus. Voilà. Et tout ça dans un petit livret avec le chapitrage et tout. Vraiment trop beau, quoi. Ça ressemble presque à un livre qu'on ouvre, quoi. Et là, c'est marqué quoi? Des aventures mystérieuses. Bah, c'est à l'envers. Et ensorcelantes vous attendent. Voilà, sous forme de livret comme ça. Je peux vous montrer vite fait le 2, mais c'est exactement pareil. Hop. Donc le 2, pareil. Hop. La Chambre des Secrets. Attends, c'est beaucoup. Oui, c'est là. Hop. Avec Dobby derrière. Et c'était sous forme, hop, de livret qu'on ouvre aussi. Non, mais regardez, par exemple. Genre, on ouvrait et on avait le descriptif de ce qu'il y avait sur le CD1, sur le CD2. Trop beau. Alors là, je vais essayer de pas faire de conneries. Hop, et on ouvrait comme ça. Oh, ah ouais, le 2. Franchement, le 2, c'était le plus beau. Le 2, c'était, hop, on dépliait et on avait Harry, le duel en Rictus Sempra et tout, entre Harry et Drago au club de duel. Magnifique, regardez-moi ça. Et ça, franchement, c'était des beaux objets. T'étais vraiment content. Moi, je le regardais comme ça. J'adorais ces objets. Je les aime toujours, d'ailleurs. Et puis, c'était la grande classe. C'était quand même un step supérieur d'avoir un DVD consacré qu'au bonus. Ça, c'était un vrai truc. Je vous retrouve dans le chat, je vous montre juste... Parce qu'en fait, à partir du 3, c'est devenu assez standard en vrai. Je crois que le 3, c'était encore... ça va, la jaquette, c'est celle-ci. Hop. Mais non, en fait, ouais. Je crois qu'il y avait... Pareil, le 3, si je me souviens bien, il y a 2 DVD aussi. Mais en gros, c'est devenu des jaquettes un peu plus classiques, voilà, comme ça. Et là, on passait d'un DVD à l'autre. Et ils ont gardé ça jusqu'à la fin. Attendez, je vais essayer de pas faire de conneries. Hop, voilà. Les DVD sont cool, hein. Et tout, là, avec la tante Marge et tout, c'est cool. Mais vous voyez, on n'est pas... on a descendu d'une gamme, malheureusement. Voilà. Hop, trop cool. Trop cool, ces souvenirs. Ah, je vais remettre un petit peu de lumière. Le CD bonus, c'était génial. Ouais, grave. Moi, j'ai le coffret avec les 8 CD. Ah oui, alors ça, j'ai vu après, mais comme je les ai achetés, comme moi, j'ai acheté les DVD au fur et à mesure à l'époque, du coup, bah, j'avais pas acheté le grand coffret et tout. Et d'ailleurs, j'ai jamais vu vraiment à l'intérieur ce qu'il y a. Je l'ai tellement regardé en boucle, le DVD du 3. Moi, je me souviens des bonus, et notamment des interviews qu'ils avaient fait, des acteurs, de l'équipe, dans les décors du film. Je me souviens particulièrement de l'interview du réalisateur Alfonso Cuarón. Je crois que c'était dans la salle de divination du professeur Trelawney. Parce que j'étais fan de cinéma et j'ai entendu le réalisateur. Le film, je le trouvais merveilleux. Je le trouve toujours merveilleux en termes de mise en scène. Et genre, j'étais là, j'ai regardé cette interview 1000 fois. Les DVD, c'est encore assez courant. On peut les lire sur certaines consoles. On trouve encore facilement des lecteurs DVD à la vente. Ouais, ouais, Tsushi, ouais, les DVD, grave. Grave, hein, c'est... Alors le truc, c'est qu'après, les écrans sont devenus de plus en plus grands. Donc en fait, les DVD, c'est pas de la Full HD.
Donc, même par exemple sur notre télé qui n'est pas très grande, bah, c'est mieux de les regarder en VOD, en 1080p, parce qu'en fait, ça a déjà vieilli de ce côté-là. Il y a déjà un petit côté rétro à regarder un DVD en fonction de la taille de son écran. Jérémy, sache que ta nouvelle image de profil est sublime. Ouais, ouais, bah tiens, je pourrais vous montrer tout à l'heure. Le sourcil photo est là en plus. Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux et tout, mais on a reçu les photos qu'on a fait avec le sourcil photo au bal des sorciers. Et avec Marina, on était trop, trop contents du résultat. Vraiment très, très belle photo. Je vous les montrerai tout à l'heure, si vous les avez pas encore vues. Attendez, je vous mets l'insta du sorcier photo parce que je vois qu'il est dans le chat en ce moment. N'hésitez pas à aller suivre son compte. Ta-ta-ta-ta. Hop, je vous le spam dans le chat. Le sorcier photo là. Allez donner du follow parce que vraiment c'est du super taf. Ça m'a donné envie de descendre dans mon salon pour regarder la pochette. Ouais, ouais. C'est cool là, un petit live nostalgie et tout, nos vieux objets Harry Potter. J'en ai un paquet, hein. J'en ai un paquet parce que moi, en plus, il y a une époque où je commençais à faire les collections des vieux jeux de société avec les visuels d'avant les films. Parce qu'il y a une époque, j'adorais ça. Et si vous voulez, là, en objet ancien, nostalgique, j'en ai un paquet à vous montrer, si vous voulez. Hein. Après, malheureusement, les DVD s'effacent aussi avec le temps, donc pas sûr qu'ils soient encore fonctionnels. Ça fait des beaux objets de collection, des souvenirs matérialisés. Moi, j'y prenais soin, donc j'espère qu'ils fonctionnent encore. Ah, apparemment, le coffret DVD, il est pas si bien que ça. C'est quoi mon ou mes films préférés? Ça change assez souvent, Alice, mais si j'en devais retenir qu'un, c'est le 3. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Ah, Noli, t'as eu tes photos aussi? Ou tu parles des nôtres? Non, je pense que tu parles des nôtres. Ouais, trop bien, trop bien. Merci Blue Dark. Vous avez vu la représentation des maraudeurs au bal des sorciers? Malheureusement, non, on n'a pu voir aucun spectacle. C'était impossible. Sachant que du coup, on avait deux enregistrements. Ça durait à peu près une heure. Mais c'est surtout que on a mis une heure et demie à installer, une heure et demie à déballer. Donc bout à bout, ça fait 4 heures. Ça nous prenait à peu près 4 heures. Et quand on n'était pas en enregistrement, et ben on avait un stand pour rencontrer les gens et tout. Donc si bien qu'on n'a pu rien voir en vrai. Moi j'ai vu un petit peu de cours, mais pas de spectacle. J'ai des magazines et des posters qui datent de l'époque. Bah Noémie, tu sais quoi, j'en avais aussi. Moi j'avais les One. Oh là là, attendez, la Madeleine de Proust. One Magazine. Par contre, je crois qu'ils sont encore quelque part chez mes parents, mais pas sûr du tout, hein, parce que je crois que mes parents, il y a un moment, ils ont fait du tri. En même temps, je les comprends. Ah bah oui, attendez. Là, je sais pas, ça dépend de votre âge. Ah, ça, ce numéro-là, je le connais. Je l'avais, c'est sûr. One Special hors série, les confidences des acteurs. Le quotidien des stars de la saga. Les coulisses. Ah, c'était à l'époque de l'Ordre du Phénix. Spécial révélation. Oh là là, numéro spécial Harry Potter. Celui-là, je l'avais 100%. Je me souviens. Et One, j'étais même abonné. Il y a un moment, j'avais convaincu mes parents et j'ai dû être abonné pendant un an. Ma sœur était abonnée, ouais. J'avais la Gazette du Magicien. Alex, la Gazette du Magicien, je connais aussi. Et je crois que j'étais abonné aussi. Non mais regardez-moi ces couvertures collector quand même. Ah ouais, attends, là on a du lourd. Attendez, on peut le voir en plus grand ou pas? Exclu les amours d'Aiden. Undo Stress, interview exclusive. Oui, ça mélangeait un peu toutes les sagas. Lost, ok. Les confidences d'Orlando. Pirates des Caraïbes, j'imagine. Oh, il y avait même Green Day, là. J'ai failli ne pas m'en souvenir. Star Wars, Good Charlotte, Kyo, Linkin Park, voilà, toute mon adolescence. Toute mon adolescence est sur cette jaquette de magazine. C'est incroyable, ce condensé de nostalgie, là. Oh là là, One, j'avais oublié. Ouais, Noli, toi-même, tu sais,
Ça donne un coup de vieux, un peu, ouais. Attendez, et Gazette du Magicien ? Parce que là, ça me parle aussi. Gazette du Magicien. Gazette du Magicien. Je crois que c'était des magazines... Hein. Ah ouais ! Oh, cette couverture, je l'avais. Je l'avais et je l'adorais. Allez, en toute petite. Attendez. J'ai trop envie de les... Et franchement, si un jour, je sais pas, il y a un vide-grenier, il y a une brocante, et que je les vois, je les prends. Je suis prêt à mettre un bon billet juste pour la nostalgie. Ah, oh, c'est tout petit. Attendez, si je mets en taille grande, on peut retrouver des... Celui-là avec la tête, d'Emma Watson, là. Celui-là, je l'avais 100%. Celui-là, je l'avais aussi. On est un peu ou pas? Non, on peut pas. Et si je fais consulter? Je sais pas sur... Ah! Attendez, ils sont là. Les deux sont là. Attends, et ça se vend combien? À 6,70€ avec les frais de port? Enfin, plus les frais de port? Oh, le courage d'être sorcière. Ah ouais, cette couverture, je m'en souviens. Ça vous dit aussi ou pas? C'était trop sympa cette époque. Ça n'existe plus, ces magazines-là. Je dois encore en avoir, je cherche et je t'envoie des photos. Ah ouais, s'il te plaît, Alex. Bon, ça va, c'était en euros, vous êtes pas si vieux que ça. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, mais voilà, ça remonte quand même. Hein. On n'en reste pas moins des dinosaures. Série Mag aussi, ouais. Qui allait enquêter sur le site interactif de J.K. Rowling avec ses notes et ses salois, je m'en souviens aussi, ça. C'était encore un peu après. Le coup de vieux, ouais, ouais. Ouais, bah moi, déjà, ces deux numéros-là, je les avais. Celui-là avec Hermione, c'était sûr. Et celui-là avec Harry aussi, hein, je l'avais. Hein. Mais je crois que j'étais abonné. La Gazette des Magiciens, je crois que j'étais abonné. Oh, il y a Charmed. Je suis en train de... avec Marina. Bon, Marina connaît par cœur Charmed. Hein. Mais moi, j'ai jamais vu Charmed. Et du coup, on poursuit tranquillement notre marathon. On en est à la saison 2. Voilà. Et je kiffe de ouf. Les sœurs Halliwell. Grand dossier Bretagne magique. Ah ouais, mais je lisais tout. Tom, Harry, Rogue, le trio central. Les photos exclusives du nouveau film. Oh, c'était quand on attendait. Là, j'étais au prime à cette époque-là de ma fanatitude, vous voyez. C'était quand on attendait le quatrième film. J'avais internet, j'écumais à fond les sites de fans, j'écrivais des newsletters, enfin les actualités sur certains sites comme poudlard.org par exemple, et je mangeais tout ce que je pouvais me mettre sous la dent concernant le quatrième film. Et je me souviens par exemple cette photo là avec Harry et Hermione qui sont séparés par la toile de tente là. Je me souviens comme si c'était hier le moment où on a vu cette photo pour la première fois. Je pense que ça venait avec d'autres photos aussi. On était comme des fous. Et après, ça, du coup, ça apparaissait dans des magazines comme la Gazette des Magiciens. Incroyable, cette époque, incroyable, les amis. C'est trop bien, Charm, les effets spéciaux ont mal vieilli, mais c'est génial. Mais ça participe au truc, Modosaur. Moi, je découvre. Hein. Marina, elle se moque de moi en mode... des fois, je pose des questions trop bêtes ou je dis... Et ce personnage, il va revenir, alors que c'est un personnage mythique pour tout le fandom de Charmed. Et moi, j'y connais rien, mais je prends beaucoup de plaisir à regarder. Surtout que, par exemple, Marina, elle a beaucoup regardé la télé, elle a regardé beaucoup de séries et tout. Et moi, je me suis rendu compte que pas vraiment. C'est-à-dire que la trilogie du samedi soir, c'était le samedi soir sur M6, je crois, je connais pas. J'ai jamais regardé, donc du coup, je rattrape un peu ça. Par exemple, Buffy contre les vampires, je sais que c'est une série culte pour beaucoup de monde. Bah pareil, je connais pas du tout, donc du coup, je rattrape ça avec beaucoup de retard. Imagine que 20 ans plus tard environ, tu parlerais encore de Harry Potter et en live et en podcast. Ouais, Noli, je sais pas. Si jamais mon moi du moment prenait autant de temps pour aller me voir mon moi du passé il y a 20 ans pour dire hey « Eh mec, lâche pas Harry Potter parce que t'en parleras encore 20 ans plus tard ». Il y aura un podcast, il y aura une communauté, tu feras des lives le dimanche soir. Ouais, ce serait bizarre. Ouais. Je t'ai envoyé la photo sur Discord, attends. Attends, je regarde, ouais. Ah ouais, attends, tu les as... Attends, j'enregistre l'image. Faut juste que... Attends, faut que je trouve un moyen rapide de la retourner.
Ouais, normalement, attendez. Ah ouais, c'est ta collection, ça ? Attendez, je la montre à tout le monde. Oh là là, la Madeleine. La Madeleine, la Madeleine. Écran main, voilà. Wouah ! J'avais... Je les avais tous. Harry Potter et la Coupe de Feu, un tournage top secret. Harry fera-t-il face à son destin ? Harry Potter est-il le prince de sang mêlé ? Ça, c'est quand on avait les titres des livres qui leakaient ou qui étaient communiqués. Et du coup, rien qu'avec le titre, on se faisait plein de théories. Là, la Gazette des Magiciens avait un peu tort. La trilogie du samedi soir, ouais, c'est ça. Charmed et Buffy, ok. Ton toi de 13 ans, il en pensait quoi ? Mon moi de 13 ans, il était à fond dans Harry Potter. J'étais un gros no life, hein, moi, il faut bien se le dire. Hein. Je viens de voir qu'ils étaient sur Prime Video, je vais les regarder de nouveau aussi du coup pour remplacer les Doctor Who qu'ils avaient enlevés. Ah, ils ont... Doctor Who, c'était sur Prime et ça s'est retiré. Attention Maud, parce que sur Prime, ils y sont. Mais nous, on a cru d'abord qu'il n'y avait plus les Charmed parce qu'ils ont fait un truc bizarre dans leur catalogue. En gros, il faut aller chercher la nouvelle série parce que ça a été refait. Et il y a une nouvelle série récente. Et en fait, il faut cliquer sur la nouvelle série pour accéder aux anciens épisodes. C'est un peu un bordel. C'est bien que nous, on avait arrêté notre marathon parce qu'on s'est dit, bah mince, ils les ont retirés. Mais en fait, non, c'est juste qu'ils ont, je sais pas, leur catalogue est buggé, en fait. Bah, merci Alex hein, pour ce... Là, pour cette Madeleine Le Proust, merci énormément. Je suis sûr que je les avais tous. Hein. Melon, les incantations magiques. Je crois que, franchement, j'aurais été plus vieux. Je crois que j'aurais fait partie des rédacteurs de la Gazette des Magiciens. Les théories qui partaient loin. Oui, non, mais par exemple, le prince de sang mêlé, il y avait un vrai truc ouais, sur le fait que il y a des gens qui étaient convaincus que c'était Harry le prince de sang mêlé. Hein. Parce qu'il est de sang mêlé. Ils sont sur M6+, Plus, sinon les Charmed, il y a l'intégrale dessus. Ok, merci Cédric pour le conseil. Hello en passant. Bah hello Cédric, ça va ? Bizarre ce système. Ouais, c'est buggé, Prime. Franchement, c'est nul. Ah là 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 là. Et t'as envoyé quoi d'autre comme photo, Alex ? Ah oui, le coffret, ok. Ah ouais, mais c'est le seul coffret qui existait ? Ok, ouais, c'est juste une boîte noire avec les DVD dedans. Et c'est les... Ok. Ouais, un petit peu décevant, j'avoue. Alors, surtout que le 1 et le 2, ça a l'air d'être des boîtes noires, classiques, donc j'avoue, hyper décevant. Salut Clé, ça va ? Il est quelle heure chez toi ? Toujours la même question. Marina, elle a regardé la nouvelle série Charmed ? Si oui, elle en pense quoi ? Je l'ai pas vue. Je crois pas qu'elle l'ait vue. Est-ce que tu as vu Dune ? Non. C'est trop la honte, je vois plus de films maintenant. Et Dune, j'ai absolument envie de voir. Là, je pense que la semaine prochaine, je vais aller voir le Mad Max, là. Parce que j'avais vu le Fury Road, j'avais trouvé ça exceptionnel. J'ai des amis qui veulent aller le voir, le nouveau, là, qui sort mercredi. Donc j'irai peut-être mercredi. Il faut que je retourne au cinéma, ça fait une éternité que je suis pas allé. Mais je suis beaucoup plus série maintenant, c'est ça, j'ai du mal à motiver à aller au cinéma, mais il faut y aller. Est-ce que vous avez des objets Harry Potter qui commence à dater et auquel vous êtes particulièrement attaché. Genre qui... C'est un objet sentimentalement qui a une forte puissance émotionnelle et puis aussi, plus le temps passe, plus ça devient nostalgique. Ça serait quoi, vous ? Il est 15h18 chez toi, Clément. Bah écoute, bel après-midi à toi. Mad Max Fury Road, ils l'ont détruit dans deux heures de perdu. Après, quel film ils ont pas détruit dans deux HDP ? Ouais, excellent film. Excellent film, j'adore. N'oublie pas ton premier amour, Jérém. Tu veux dire quoi, Jadif ? Moi, je suis souvent déçu des films au ciné. Après, il y a tellement de propositions différentes. Le catalogue cinéma, il est incroyable. C'est sûr qu'après, il faut sélectionner le bon film. J'ai le jeu de cartes Harry Potter. Je l'ai aussi. Oh, vas-y. Vas-y, on regarde ça vite fait. Et après, si vous voulez, on lance Harry Potter 3. On le finit. Mmh.
au collège, j'avais la pochette à rabat Harry Potter. Moi, j'en avais pas trop. Alors, je crois que j'avais une pochette aussi. C'était la 4. Mais j'évitais parce que j'étais déjà un gros geek, donc j'évitais d'avoir trop d'affaires Harry Potter. Et puis en plus, ça coûtait cher pour mes parents et tout. Mais de toute façon, j'étais pas trop demandeur parce que je voulais pas passer comme plus geek que je l'étais déjà. En ce moment, La Planète des Singes. Ouais, grave, Lily Blue. Ça me dit bien ces films-là aussi. La première édition adulte de Bloomsbury de HP1. Ok. Le coffret des 4 premiers en folio junior avec ma sœur, on a le jeu de cartes Steel Magic qui n'est plus édité. Ouais, ouais, ouais. Bah, on en avait parlé notamment du coffret, de ce fameux coffret, Pauline. Ma mère ne voulait pas m'acheter d'objets, je me suis vengé plus vieille en prenant tous les goodies. Tu t'es, ouais, t'as rattrapé le temps perdu, Noémie. Je me suis acheté un carnet Quibbler magnifique pour écrire mes fanfictions. Ok. Juste mes 4 premiers tomes, cadeau de Noël de ma maman, le 4 venait de sortir. Ouais, bah ça, je reconnais, hein, on fait partie de la même génération. Hein. Je pourrais jamais m'en séparer. Ouais, ouais. Alors moi, il me reste le... Alors, le coffret, vraiment le coffret physique, je l'ai perdu, comme je le disais. Et les livres, donc les livres de poche, de folio, et je n'ai plus le 1. Mais c'est pas un crève-cœur, je sais pas que je l'ai perdu ou quoi, mais je l'ai donné. Et je l'ai donné à quelqu'un assez important. Je crois que je l'avais... Enfin, important. C'est plus sentimental, on va dire. Mais quand je vivais en Angleterre, je suis parti vivre en Angleterre un an, notamment grâce à Harry Potter, parce que je voulais vivre dans le pays d'Harry Potter, toi-même, tu sais. Et du coup, j'ai donné des cours de français dans des écoles, dans une école primaire, dans un lycée, et aussi à des personnes âgées. Enfin bref, vraiment, j'avais des élèves de tous les âges, c'était une expérience incroyable. Et au lycée, au niveau bac, j'avais un seul élève, parce que les langues étrangères... Au Royaume-Uni, c'est pas très populaire. Évidemment, il y a très peu d'élèves qui prennent ces options. Et au niveau GCSEs, donc l'équivalent du baccalauréat au Royaume-Uni, j'avais un élève qui s'appelait Martin. Et qui était passionné de français, qui avait un très bon niveau. Et qui pourtant n'avait aucune racine familiale française dans sa famille. C'était vraiment, c'est un self-learner. Il a vraiment appris par lui-même, par les cours et tout. Et du coup, je pense que je l'avais aidé à l'époque à améliorer son français. Parce que c'est ça aussi, les écoles britanniques sont très friandes, sont très demandeuses d'assistants français, c'est-à-dire de jeunes, quoi, d'étudiants français qui viennent chez eux là-bas pour soutenir les professeurs de français en Angleterre, parce qu'ils sont, ils ont pas tous la formation adéquate, etc. Donc, et surtout un niveau GCSE, donc un niveau terminal de bac. Et j'ai tellement aimé pendant un an lui donner ses cours et tout en face à face. On partageait en plus la même passion d'Harry Potter, donc on utilisait Harry Potter beaucoup pour ses cours de français, et du coup symboliquement je lui ai donné mon tout premier livre d'Harry Potter, le 1, je lui avais donné, et je le regrette pas du tout. Mes livres folio sont en mauvais état, mais je les ai toujours. Ouais, c'est important de les garder, en vrai, hein. C'est important aussi, hein. Ouais, je sais pas si vous, c'est la même chose, mais c'est le 4, la coupe de feu en format poche. Je sais pas si vous l'avez eu. Mais alors celui-là, qu'est-ce qu'il prenait cher? J'ai un pote qui, je pense qu'il sera dans le podcast un jour, il faut qu'il vienne, qui a saigné aussi les livres et tout. Et je me souviens de la gueule de son 4e livre, la coupe de feu en format poche. Il était dans un état pas possible. Et on a fait une soirée pas longtemps, il me l'a ressorti et c'était encore pire qu'avant. avec les pages qui se décrochent et tout. Mais moi j'adore, enfin j'aime bien, moi, j'ai des collections où j'en prends soin. Donc en fait quand je les lis ou quand je les feuillette, j'y prends soin. Notamment les éditions illustrées et tout, bien sûr. Mais par exemple l'édition que j'utilise pour l'émission, bah, des fois je les tords, machin. Et c'est, j'aime bien aussi, enfin sur certains livres quand je l'ai décidé, j'aime bien aussi les je sais pas, genre les manipuler, les abîmer un peu, parce que ça fait partie de la vie du livre aussi, hein. Genre la coupe de feu, le format poche qui est dans tous les sens, c'est aussi un livre qui a vécu
qu'on a traîné un peu partout, ça raconte une histoire, quoi. Ouais, bah j'espère, ouais, c'est cute comme histoire et tout, mais j'espère qu'il, Martine, il l'a toujours, et peut-être qu'il il pense à son assistant, de français avec qui on parlait de cinéma, on parlait d'Harry Potter beaucoup. Et j'espère qu'il a pas lâché le français et tout, parce qu'il avait un bon niveau. Et j'espère qu'il l'a lu intégralement en français, ça serait cool. Les pages sont jaunies dans mes livres. Ouais, et puis je sais pas vous, mais l'odeur de ces livres de poche, ils avaient une odeur, mais des fois je les feuillette juste et je les sens. C'est aussi une des odeurs de mon enfance. Comme objet Harry Potter que j'aime, un magnète Gryffondor, alors que je suis Serpentard, et le ticket d'exposition Harry Potter à la Cité du Cinéma, ok. J'ai pas fait beaucoup d'expos, mais ces deux objets sont importants pour moi. Ouais, je comprends, Chiron Samini. Moi, à l'époque où je voyais beaucoup de films, quand j'étais au lycée et étudiant, je gardais tous mes tickets de cinéma et j'en faisais un... Je tapissais le mur de ma chambre de tickets de cinéma. Go HP3. Ouais, tiens, on va lancer le jeu. Attendez, qu'est-ce que je voulais vous montrer juste avant? Attendez. Un truc... Ah oui, attendez. Parce qu'on parlait du vieux jeu de cartes. Je retrouve pas le starter que j'ai. Mais j'ai une carte que je mets. Ah oui, alors attendez, influenceur beauté. Bon, je sais pas si vous voyez, mais je les ai aussi un petit peu. J'en ai quelques-unes, j'ai un starter pack de ce vieux jeu de cartes. Voilà, là on le voit un petit peu mieux. Donc là c'est la carte de Drago Malfoy, par exemple. Donc c'était avant les films, donc évidemment c'est des dessins avec... qui sont pas du tout liés aux acteurs des films. Et je fais collection de ça aussi. J'ai pas une grosse collection, mais j'ai beaucoup de jeux de société qui datent d'avant. Mon préféré, c'est les escaliers de Poulard. C'est le même principe que le labyrinthe. Et en plus, depuis, ça fait longtemps, mais il y a la vraie licence labyrinthe où il y a Harry Potter, à laquelle on joue souvent avec Marina. Mais j'ai un affect particulier pour les escaliers de Poulard parce que c'est avec les vieux visuels. Voilà. Ouais, Zwinfi, tu fais allusion à ce jeu là avec le... Moi, je sais pas, ça, le dos de la carte, ça, c'est une Madeleine de Proust aussi pour moi. j'adore ce dos de carte. Mais je crois que ça a pas trop percé, du coup, ça a été édité pendant très peu de temps, et voilà. Du coup, c'est plus des objets de collection maintenant. Rien de tel que l'odeur du livre neuf. Ouais. Bah, sauf l'odeur de mes vieux livres Harry Potter. Au-dessus. Imbattable. Punaise, j'en ai plein des cartes comme ça. Bah, garde-les, Lira. Hein. C'est précieux, hein. C'est des souvenirs. Elle est belle, cette carte. Ouais, avec Drago. Mais j'ai tout le starter pack, mais je sais pas où il est. Mais je l'ai pas perdu. Hein. J'avais Drago, Rogue en perso, et ma sœur avait Hermione et Dumbledore. Putain, Dumbledore! Non, pas Dumbledore, Hermione. L'illustration d'Hermione est à mourir de rire sur ce jeu de cartes. J'aime bien ce visuel pour Drago. C'est vrai que vous aimez bien? C'est vrai qu'il fait un peu le... Vraiment la tête du vilain, quoi. En plus, avec la raie au milieu, là. Je sais pas comment faire pour bien voir. Et voilà. Voilà. Bon allez, go HP3. Mais de toute façon, on continue à discuter, hein, les amis. Hein, parce que là, en plus, on est sur les épreuves. Donc, on continue de discuter de choses et autres. C'est juste qu'on le fait avec HP3 en fond, si ça vous dit. Pour essayer de terminer le jeu, je vais essayer de pas trop mourir. Alors, attendez, je vais lancer le jeu, surtout. Ta-ta-ta-ta-ta, parce que... En espérant que j'ai pas trop de bugs, parce que j'en ai eu quelques-uns, des fois. Je vais couper la musique. Hop. Voilà. Let's go. Ah oui, j'ai oublié de changer de chaîne.
Ah oui, c'est un petit peu con ça. Attendez, j'arrive. Vous allez voir le jeu bientôt. Tac, si je fais ça et que je fais ça. Mince, ça marche pas. Pourquoi ? Attendez. Non, je vais le relancer avec la scène. Ah, à moins que ça ait changé. Hein. Attendez, hop, je vais vous mettre ça là. Hop, hop. Le jeu. Ah non, je sais pourquoi. Attendez, je sais pourquoi. Je sais pourquoi ça fait ça. C'est un peu un bazar. Mais comme c'est des vieux jeux, vous me pardonnerez. Je sais pourquoi. Il faut que je change un petit truc. C'est la petite astuce que j'avais trouvée. Hop, on va faire ça. On va faire ça. Et là, ça devrait ressembler à quelque chose. Voilà, on est bon. On est bon. Et je vous récupère au chat ici. Je vous vois toujours. J'ai Ron en brillant. Moi, j'avais quoi déjà ? Moi, j'ai Hermione sûr, mais il faudrait que je regarde. J'avais le Star Sword Pack avec la carte. Du coup, on pouvait déplier le comment on appelle ça ? J'ai le plan de travail dans la tête, mais c'est pas ça. Le tableau de jeu, en fait. Et du coup, il y avait un nombre suffisamment de cartes pour avoir chacun deux decks et de jouer en duel. Mais après, j'avais acheté ça ensuite. Hein, j'avais trouvé ça sur le Bon Coin à l'époque où je faisais collection. Chargé parti, on n'a qu'une sauvegarde, on y va. J'espère que j'ai sauvegardé. Vous avez révisé pour vos examens, mademoiselle Granger. Bien sûr, professeur McGonagall. C'est grâce au retourneur de temps que vous m'avez prêté. Vous trouverez cela un petit peu plus difficile que nos précédents exercices. Ah ouais, il faut qu'on refasse. Récupérez les 5 boucliers du défi pour obtenir la note maximale. Ok. Vous pouvez y aller. Alors, je sais pas si c'est la même map qu'on a déjà fait ou pas. Hop, on est un lapin. On sait s'il y aura un DLC pour Hogwarts Legacy. Bah, ça avait été évoqué à un moment donné, je sais pas où on en est. Ah, regardez, petit twerk de lapin. Ouh, oh, regardez ce petit popotin. Faut que je le fasse partout ou c'est ok? Non, je pense que là c'est ok. Est-ce que j'ai autre part où aller avec? Non, mais je sais pas pour Hogwarts Legacy. D'ailleurs, j'y ai repensé en live, ça fait longtemps. Moi j'ai encore plein de petites quêtes secondaires à faire. Ah bah si, évidemment, faut que j'aille là. J'ai encore plein de petites quêtes secondaires à faire pour Hogwarts Legacy, donc ça serait cool de le faire. Non, je pense que c'est une nouvelle map, parce que là, ça me dit rien, ce début de... Je pense que c'est comme Ron la dernière fois. Je pense que ça ressemble dans le gameplay, hein, évidemment. C'est un peu un copier-coller, mais c'est pas exactement les mêmes maps. Mademoiselle Granger, bah évidemment. Hein. Évidemment. Dans le starter pack, il me semble, il y avait base Drago et Hermione. Alors, j'ai... Ouais, bah, Drago, sûr, je vous l'ai montré. Hermione, sûr. Et t'as peut-être raison. Peut-être que c'est les seules cartes personnages que j'ai. Hop. Je vais monter un petit peu le son. Attendez, je peux l'avoir, ça ? Non ! Je voulais juste tester si la touche fonctionnait. Bon, en plus, je vous préviens, au bal, on a perdu les... On a perdu le truc des couleurs, là. Donc, je sais pas s'il y a des connaisseurs de dragée. Je sais pas si vous voyez la couleur. Ah, là. C'est censé pas être bon. Mais... Ah, c'est poivre. Poivre. Mais poivre, je trouve... Attention, unpopular opinion, mais poivre, je la trouve pas dégueu. Je trouve qu'il y a un... C'est original. Il y a un côté sucré-salé assez original, qui se revendique en tout cas. C'est le lapin qui est mort, pas Hermione, ça compte pas. À Modosor, j'ai vu trop tard ton message, mais ça aurait pu être un argument valable en effet. Ça aurait pu m'empêcher de manger mon premier dragé. Ma première dragée. Bon, attendez, alors comment on fait ? C'est le lapin, c'est pas Hermione. Ça compte pas si je meurs exactement au même endroit.
Nouvelle règle. Ça compte pas si c'est tout pareil. La dernière fois, j'ai failli vomir. Il y en a un atroce. Ah bah, je pense que le sorcier photo, je pense que tu fais allusion. Ah, j'ai pas montré les photos. Bon, allez sur Instagram et puis on la regardera en fin de live. Au goût vomi, hein, parce que c'est vraiment le pire. Je le tente pas, ce truc-là. Hein. Allez, si, je le tente pour le beau jeu. Non, mais le truc qui est perturbant, c'est qu'il saute vachement loin. Alors, et regardez, pour ma défense, genre, j'appuie juste sur la touche sauter et en fait, il va en avant. Ce petit bêta de lapin. Avec ses petites fesses. Je sais pas si je joue à Alice au Pays des Merveilles ou Harry Potter, mais let's go. Ah, du coup, on va pouvoir passer de l'autre côté. Ok. Et là, faut que je retourne en arrière. Le pire, c'est dans les vieux, il y avait un P de putois. Non, c'est vrai, Modosaur. Genre, il y avait une dragée P de putois. Ça te donne presque envie de la goûter. Nouvelle règle, si c'est pas Dumbledore qui meurt, je ne mange pas de dragée. Ok. Ah, le savon, il est pas bon aussi. Hermione Granger, Drago Malfoy, on connaît, c'est la base, ouais. Effectivement. Allez, on continue. Mais on parlait de... Je pense que là, il faut que je revienne en arrière. Hein. J'ai pas trop le choix, je pense. Parce que je pense que je peux faire... Ah, mais là, on va mourir, ok. Je pense qu'on peut faire Elasticus, là, avec Hermione. Ouais, c'était par là. Attendez, par là, il y a rien. Ah, bah si. What? Je l'ai pas fait déjà, ça. Non, c'est pas la bonne touche. Ah, voilà, ok, ok. C'est ça qui me manquait. Je pensais l'avoir déjà fait, mais let's go. C'est bizarre, ils font de la musique, j'ai l'impression. Ça fait une espèce de boum, boum, boum. Il y a un bep. Oh, je me suis pris quoi, là? Rictusempra. Il veut pas? Vas-y, dégage. Hop. Ah, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs des Elasticus. J'ai dû me tromper entre les deux. Mais c'est un petit chouïa. Là, faut que j'aille là-haut. J'ai vu un truc. Toi, ça dégage. Ah, il fait de la techno, l'espèce de... Je sais pas comment l'appeler. Ok, donc première étoile et livre de sauvegarde. C'est validé. Tu devrais doubler Hermione, tu le fais trop bien. Non, la dernière fois, on m'a dit... surtout que quand il y a eu l'annonce là du livre audio avec le sound design, une nouvelle musique et tout, par Audible. Déjà, super nouvelle, hein, au passage. Et ben, on m'a dit, ouais, tu devrais faire la voix de Harry en français. Apparemment, j'aurais une espèce de timbre de voix qui pourrait aller sur Harry. Mais je suis là en mode, mais pas trop, parce que pour un livre audio, ça commence, il a 11 ans, donc moi, ma voix, pour un gamin de 11 ans, pas trop. Hein. Attendez, là, j'ai pas compris le délire de ce qu'il faut faire. Ils peuvent descendre. Ouais, puis là, ça referme la porte, on est sur autre chose. C'est des livres de sauvegarde. Ouais. Ah, il y a une étoile qui est cachée là aussi. Là, il y a du feu, donc il doit y avoir le petit dragon quelque part. En tout cas, il va nous être utile. Ah, là, on peut mettre des trucs, ok. Attendez, je vais revenir en arrière. Ah, je peux pas? Ah, donc il y a une étoile que... Ah non, il y a une étoile... Bon, déjà, il y a une étoile que j'ai loupée. Mais attends, il faudrait que le jeu nous prévienne quand même. On peut pas revenir en arrière. Pourquoi il y a deux livres de sauvegarde? Je pense que j'ai fait une immense connerie là. Je pense qu'il faut faire descendre les armures dans un ordre précis pour qu'elles restent toutes baissées. Ouais, mais j'ai pas pris le temps. Je me suis dit peut-être que la pièce d'à côté, elle va nous donner des renseignements. Et du coup, bah non, parce que là on est sur un autre truc. Et là, je pense que c'est ça. Enfin, à moins que ça soit lié, mais comme on peut plus revenir dans la... Attendez. Si je fais un... Bah non, je suis trop loin. Euh...
Là, je peux pas y aller ici. Oula, activation de cerveau. Quand je me mets sur les trucs... Ah ! Ah ok, peut-être qu'il faut que je les active toutes. Ah non, ça marche pas. Et là, il manque... Ah non, mais parce qu'il faut que... Elle se lève au bout d'un moment. Ouais, c'est ça. Mais du coup, il faut que je fasse quoi ? De toute façon, je suis trop loin pour les viser. Répulso ! Ah, à moins qu'il... Par exemple, je fais celle-là, il faut que j'y aille vite. Répulso. Ah ! Voilà, c'est ça. Ok, donc il faut que je fasse pareil sur les autres. C'est quoi le noyau vert en haut ? C'est du feu. Et je pense que là, quand on sera sous notre forme de dragon, eh ben, ça va nous être utile. Donc attendez, je vais faire la même chose sur celui-là. Ah, j'ai raté, forcément. Ok. Je pense que c'est ça, la strat. Hein. Ok. Et si je fais sur l'autre, de toute façon, on va vite le voir. Si c'est la bonne stratégie. Ah, voilà. Du coup, ça libère le dragon. Voilà. Hop, là avec le dragon, on va pouvoir aller prendre le feu. Et le feu, va falloir qu'on l'allume. Qu'on allume la torche. Ça a ouvert un truc, je sais pas quoi. Ah oui, ça a ouvert ça, ok. Putain, je suis dégoûté. Pour la porte qui s'est fermée. Y'a rien d'autre là. Non, vas-y, on continue. Ah ! Non ! What ? Ah, il y a un timer. J'ai pas compris. Je pense qu'il... ouais, je pense que je suis dead. Il faut peut-être que j'attende la fin du timer. Ah, ah non, ça s'est rouvert. Attendez. Voilà qui ne sera pas facile. J'ai pas compris. Tu peux être un peu plus spécifique, Hermione. Il y a des flèches qui apparaissent au mur parfois. Ouais, ça Java, j'ai pigé, mais j'ai pas pris assez le temps dans la pièce d'avant de regarder ce qu'il fallait faire. Et du coup, je crois qu'il y avait un peu comme ici là, je crois qu'il y avait une, je sais pas comment ils appellent ça là, une espèce de blason à récupérer. Donc malheureusement, ça sera pas imparfait, c'est sûr. Après, pour les livres audio, l'âge de la voix compte pas trop. Non, après, c'est un peu comme le doublage, tout dépend de. Si t'arrives à imiter une voix d'enfant. Donc en fait, quelque part, peu importe la voix de l'âge de l'acteur, je veux dire. Mais en ce qui me concerne, j'ai une voix assez grave. Donc je sais pas si ça... Je sais pas si ça pourrait coller. Hein. Mais j'aimerais bien m'essayer à l'exercice du livre audio. Hein. J'adorerais. Hein. Je suis pas tellement comédien, donc voilà. Mais là, je pense qu'il fallait vite parce qu'à chaque fois, ça déclenche un timer. Donc je pense que les portes se referment. Donc, je vais essayer d'aller vite, de pas trop traîner. Ah ! Voilà, dit-il en buguant. Ok, là ça va se refermer je pense si je me dépêche pas. Ok. Attends, j'ai raté un truc là, non ? Non, c'est bon. Ok. Oh, il est encore là-haut. Là, ok. Oula. Bon, les citrouilles, on s'en fout un peu. Ok. Là, ah oui, ok, faut que j'aille en haut. Je pense qu'il faut que je monte encore. Là, il y a du feu, il doit y avoir une lanterne quelque part. Bon, j'essaie de récupérer quelques trucs, mais on s'en fout un peu. Ah oui, là en plus, je pense... Ah, ça va se fermer, là. Hop. Ok. Ah, je crois que c'est là qu'il faut allumer le truc. Ah. Bon, je vise pas le perfect avec les... Et j'y arrive pas. Ok, là, c'est sûr qu'il faut que j'allume la torche.
Ah ok, donc ça a, ça a libéré une étoile. Ok, ça c'est good. J'ai l'impression de rater plein de trucs, mais... On va prendre un peu de dragée. Je pense qu'il faut descendre les armures dans un ordre précis pour qu'elles restent voilà toutes balisées. Sera pas facile. Ah, j'ai raté, ça veut dire ? Attendez, j'ai libéré une étoile. Bon, ça, je l'ai libéré, ok. Donc ça, c'est sûr que oui. Et il en reste... Il y en a une autre, là, c'est ça ? Là, il y en a une autre, là. Ok. Et il y en a une autre, là. Donc, du coup... Bah, je sais pas, on va aller voir, hein. Après, le truc, c'est que si je reviens pas à la salle des armures, je pense que de toute façon, on peut essayer tant qu'on veut, on n'aura pas la note maximale, ça c'est sûr. Ah, le gameplay clavier-souris, fouah ! On a pris un coup dans la gueule avec le temps. Hein. Ok, on passe ça. Ok, ça c'est easy. Oh la hitbox. Un peu hasardeux les plateformes. Comme ça on peut récupérer les petites citrouilles que je vais pas forcément récupérer les premières fois. Ok. Est-ce que là il y a un truc que j'ai raté? Non, apparemment non, faut que j'aille au-dessus. Ok, c'est chose faite. Ah, peut-être... C'est pas la même ouverture ici. Ah si, j'ai l'impression que si. Ah, c'est un labyrinthe. Attendez, là, il y a le feu qui est allumé, donc j'ai pas besoin de revenir là. Là, c'est là d'où je viens, hein, je crois. Ah non, fallait que j'aille là. Mais ça se rouvre pas, ça veut dire ? Et comme le timer il est pas jusqu'au bout, je sais pas pourquoi par exemple elle se referme la grille ici. Ah peut-être parce qu'il y a une autre grille ensuite, ça se ferme, les grilles se referment au fur et à mesure. Voilà, normalement on va retourner avec l'écran avec Hermione. Voilà, ah ouais, ok, 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 ok. j'ai oublié de réactiver le chat, mais je vous ai là. Les citrouilles te font regagner du temps. Ah, j'ai pas fait gaffe, Jadif. Ok. Pire que le match du Quidditch juin. Non, non, non. Oh, non bah après, non, parce que je pense que j'ai quand même un peu progressé sur les vieux jeux en mode clavier-souris. Donc, je dirais pas que c'est plus dur, hein, en vrai. Hein, c'est faisable. Après, moi, il faut savoir que dans les jeux vidéo, j'ai un petit problème d'espace. J'ai énormément de mal à me repérer dans l'espace. Et là, même pour une petite map comme celle-ci, bah, j'ai du mal à savoir d'où je viens, qu'est-ce que je fais. Je pense que ça se voit, hein, d'ailleurs, hein, dans le let's play, des fois. Même sur un petit jeu comme les anciens jeux Harry Potter, des fois, j'arrive quand même à me perdre. Ce qui est un talent non négligeable, hein, on va pas se mentir. Là, par contre, j'essaie de passer et ça veut pas alors que je suis vraiment dedans. Hein. Il n'y a pas que la nullité du streamer qui est en jeu. Hein. Il y a aussi la nullité du jeu. Vas-y, entre. On speedrun. Ok. Là, de toute façon, j'ai qu'une entrée. Hein. Si je repère un petit peu... Ok, là, j'ai pas le choix. Il faut que je passe là. Une fois que je suis passé là, ici, j'ai allumé déjà une torche. Et celle-là, elle est déjà allumée. Donc, il faut que j'aille dans l'autre vite, avant que ça se referme. J'y suis. Ok, là, j'y suis pas encore allé. J'ai un feu. Attendez. Ah non, fallait que je ressorte direct, ça veut dire. Attendez, si la citrouille, ça me fait gagner du temps. Ça se rouvre ou pas? Non, mince. Ah non, en bas, il y a un truc. Faut que je redescende en bas. Bah non. Bah, je sais pas. Je vais finir par trouver, hein, mais là, je... Là, voilà je... qui ne sera pas facile. Non, ça va pas être facile, non. Avec un mec aussi nul que moi, non, c'est sûr que ça va pas être facile. Voilà qui ne sera pas facile, égal, tu n'es qu'une merde, tu as raté. C'est exactement ça. Surtout de la part d'Hermione, je le prends vraiment comme ça. Si tu redescends, bah ouais, je crois qu'il faut redescendre. Hein. Il me semble, hein. Putain, on va essayer, hein. Mais j'avais l'impression qu'il y avait pas grand-chose de nouveau en bas.
Attendez, on va essayer. Hein. Là, je préfère le faire à pied. Le faire à pied, c'est marrant de dire ça. Et voilà, parce que là, il y a un vieux bug de plateforme. Ok, hop, on y va. Pas trop le prendre en diagonale, sinon le jeu il capte pas qu'on veut passer. Ok, là c'est à droite. Ok. Ok. Putain, là, le passage qu'on a fait, ça m'a fait penser à un vieux jeu. Un vieux jeu Harry Potter. Pas jeu vidéo, hein. Essayez de deviner lequel. Je sais pas si vous l'avez connu aussi. Il est collector. Attendez, là j'ai... Ah là ! Vous voulez dire descendre là ? Ah oui, ça me dit rien, ça. Je suis pas allé là. Je suis pas allé ici, je crois. Attendez, si je passe là, ça se passe quoi ? C'est nouveau ici ? Si je dis pas de bêtises. Je sais pas du tout où je suis, hein. Allez, dragon là ! Mais... Il a des ailes ! Ça aussi, ça me fait penser au jeu. Ouais, là. Non ! Non, je suis bloqué dans le... Mais... C'est un enfer. Ah, là, il y a un tout petit passage. Ok, on peut le faire. Je peux le faire ! Wow, mais c'est trop dur. Oui, je vois. Voilà qui ne sera pas. Non ! Ah, c'était juste devant. Mais j'ai un peu peur. J'ai un peu peur que là, j'y arrivais là. J'étais... Oui, vous voyez les plateformes ? Et j'ai un peu peur que si je continue de faire ça, je vais tomber sur la grosse étoile là, et en fait, c'est la fin de l'épreuve. Et du coup, je récupère pas celle-là. Le jeu rageant, ouais. À mon avis, celle-ci, il faut la débloquer avant. Parce que si j'arrive là et que je prends celle-ci, c'est la fin. Et donc, du coup, j'ai oublié de prendre celle-là. Par expérience. Hein. Le jeu de lévitation avec la balle. Oui, Time Machine. Vous le connaissez ou pas ? Vous l'avez, celui-là ? C'est un jeu avec une soufflerie. Ça, c'était en cercle. Et du coup, il y avait Harry, on dirigeait le bras de Harry. Le bras pouvait se baisser ou se lever avec la baguette magique. Et du coup, c'était le Wingardium Leviosa. Et en fait, ça faisait léviter une petite balle en mousse blanche. Et il fallait la passer dans des obstacles, en fait. Dans différents obstacles. Et notamment, il y a des trucs qui s'ouvraient, qui se fermaient. Et ce jeu-là, je l'aimais trop. Je pense qu'il faut refaire la même chose que pour le premier blason. Ouais, le truc, c'est que je suis pas sûr de l'itinéraire à prendre. Tout se ressemble, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas les escaliers de Poudlard, mais c'était bien ce jeu de lévitation. Ouais, il y a un truc que j'adorerais faire sur Twitch. Je sais pas si ça vous botterait, mais je pense que vous allez me dire que oui. J'aimerais bien, justement, peut-être avec Marina, voir avec d'autres copains, se faire, justement, des soirées jeux de société filmés. Ça vous plairait, ça, ou pas, sur Twitch ? Inviter, genre un ou deux copains, et puis se faire un jeu de société Harry Potter, par exemple, les anciennes générations. Ça serait sympa, non, sur Twitch ? Carrément, ouais, je sais que ça vous plairait, ça. J'ai grave envie de le faire. Bon, ça demande un peu de prépa, d'installation, pour que ça soit agréable à regarder et tout. Mais c'est pas impossible, en vrai, hein ? Pourquoi pas ? Moi, j'adore les petits défis comme ça, techniques. Bon, on y va. Ok, on a passé le premier palier. Ensuite, là, on n'a qu'une ouverture. Donc, on y va gentiment avant que ça se ferme. Ok, là, j'y suis déjà allé. Donc, je vais aller là. Ok. Je vais prendre le feu et je vais tout de suite redescendre. On redescend. Mais ça, c'est fermé, je comprends pas. Bah ouais, mais c'est fermé, je comprends pas. Mais non, il n'y a rien à faire ici, en fait. Là, c'est pas possible. Oui, Hermione. Ah, c'est bizarre.
En plus, j'ai écouté il y a pas longtemps l'épisode du podcast où vous aviez joué au jeu de société Harry Potter. Je me suis dit, c'est dommage qu'on n'ait pas la vidéo, surtout pour les mimes et les dessins. Ouais, on avait fait ça au podcast et peut-être avant même du coup la saison 3 où on se filmait. Ouais, c'est ouais, carrément. Mode, ça me dit quelque chose. Et là, en plus, maintenant, avec le format live, Twitch qui s'est... le format live, c'est beaucoup plus connu qu'avant. Nous, à l'époque du podcast, je crois que Twitch, ça n'existait pas encore. Hein. Quoi que je dis ça, c'est, si, ça existait peut-être, mais c'était pas aussi connu que maintenant. Donc en fait, c'était, on faisait nos lives sur YouTube, par exemple. On avait fait notamment le jeu où il fallait... le nom d'un personnage sur le front, il faut découvrir qui on est. Ça, on l'avait fait, mais je crois que c'est en vidéo, ça, par contre. Hein. Et toujours sur YouTube, évidemment, hein, tout le contenu est disponible en podcast et sur YouTube. Ok. En l'air. Pour moi, on revient là, en fait. Ouais, c'est ça, je fais de la grosse daube. Parce qu'en fait, ça sert à rien. Faut pas redescendre. Pas redescendre, ça sert à rien. Là, il y a qu'une porte. Il n'y a pas de question à se poser. Là, par contre, il y a une question à se poser. C'est qui... Non, il n'y a qu'une porte aussi. Ok, il n'y a qu'une porte, en fait. Bah oui, mais là, j'y suis déjà allé. Il faut que je fasse quoi, là? Il y a déjà du feu, ça sert à rien que je le remette. Je sais pas... Oh, il y a un truc qui m'échappe. Non, mais bah, il faut aller là, hein, je pense. Hein. Je pense qu'on n'a pas le choix. Hein. Mais du coup, si c'est ça, je vois pas comment débloquer l'autre étoile. Mais on va faire voilà ça. Hein. Qui ne sera pas facile. On n'aura pas le choix parce que là j'ai pas d'autres idées. Au tout début, le moment où tu fais à pied, il y a des endroits où il n'y a pas de plafond et on dirait il y a des citrouilles. Sors Jérém, prends la clé, ouais c'est Fort Boyard. T'as peut-être raison, chicaneuse, hein. Attendez. Le tout début? Genre, il y a des endroits où il n'y a pas de plafond. Là, il y en a. Là, il y en a. Ah, là. Oui. Ah oui, là, il y a un truc de feu. Merci. Oh, wow. Et franchement, je le voyais pas. Sur mon écran, je le voyais pas. J'ai raté la lanterne. Je suis une merde. Je suis un sale crackmull. Bon écoutez, bah attendez, on prend tous les dragées parce que j'ai raté. J'étais à 15 cm du truc, je l'ai raté. Attends, faut pas que je prenne de citrouilles parce que ça fait augmenter le timer. Oui bah merci Hermione, déjà que j'ai le chat qui est là pour me le rappeler. Donc on va se calmer et on y va tranquillement. Bon, on a une strat déjà, on a une stratégie et je pense qu'on est sur la bonne voie pour... débloquer l'autre étoile là. J'avais pas fait gaffe. En fait, j'étais tellement concentré là que j'avais pas vu qu'on pouvait voler là. Bon. Je vais essayer de pas faire l'idiot. Vas-y. Pose-toi. Voilà. Et ben voilà. Et ben ça, c'est nickel. Je peux même faire un retour en arrière direct. Voilà, comme ça on y va. Allez Norbert, on y va. Ah bah non, c'est fermé. Bon bah en fait, il faut juste que j'attende que le timer il s'arrête et comme ça je peux récupérer la petite étoile. Voilà qui ne sera pas facile. J'aime bien ces petits pas de danse d'attente. Ok, donc là normalement c'est tout good. Et là je vois le chemin à prendre. Ensemble on y va, hein. Doucement mais sûrement. Mais on y arrive. Allez, c'est parti. Donc là, il faut que j'aille tout droit. Ça sert à rien que je vole, je crois pas. Non, on a dit à pied cette partie-là. Voilà. Ok. Ça, on connaît. Au bout, on va à droite. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je suis sur ce niveau. On n'est pas très loin de la réalité, je crois. Ok, ça c'est good, ça c'est easy, ça paraît difficile, mais on est comme la petite boule blanche dans le jeu de lévitation. Ici, on se pose pas de questions, il n'y a pas le choix, faut y aller à la prison break.
je vais pas y arriver, je suis une daube. Je suis un crackmull. Voilà, hop. Là, il n'y a pas le choix, faut y aller. C'est ici. Non, c'est l'autre. Voilà, c'est là. Il faut que j'aille là, sans poser de questions, sans pression. Ok, faut que je prenne le feu. Putain, je sais plus, je suis une merde. Je sais plus. Oh l'enfer. L'enfer du niveau. Mais c'est où le truc du feu? Le truc avec la flamme, il est où? Et là, je suis redescendu là où je... de là d'où je viens. C'est un enfer. C'est un enfer. Voilà qui ne sera pas facile. Merci Lyra, salut. J'ai pas le temps, mon esprit vise ailleurs. Ouais, exactement. J'ai pas le choix. Faut y aller avec mon Draconiforce. Pas le choix, faut y aller pour la commu. Y a pas le choix, faut terminer ce niveau qui est ultra facile. C'est un jeu pour les enfants, mais j'ai pas de cerveau. Yeah. Je ne sais pas me repérer dans l'espace. Mais y a pas le choix, faut y aller. Ok, hop. Vous le sentez le début de là du mental breakdown sur ce niveau? Vous commencez à voir là. J'ai des là on commence à être proche du niveau Quidditch de HP1. Ok, entrez. Bon, c'est où que je me perds? Là, il y a plusieurs entrées ou quoi? Ah oui, c'est là. Oui, non, mais ça, je l'ai déjà fait. Ok, et à partir de là, faut que je fasse quoi? Là? Faut que j'aille où? Là, mais j'ai déjà fait ici? Mais non, là, j'ai déjà fait... Je sais pas où je dois aller. Je pense que vous êtes en train de vous foutre de ma gueule parce que ça va être évident. À mon avis, faut que je reste là, mais je vois pas où aller ensuite. Le karaoké du craquage. Voilà, ce sera pas facile. En fait, sur le live, on verra que Jérémy incarner un dragon. Franchement, je crois que j'ai pas assez donné pour télécharger Harry Potter 4. Et là, c'est le sort qui s'acharne sur moi pour me punir. En plus, il n'y a pas d'intérêt à ces niveaux-là. C'est des trucs qu'on a déjà fait. L'histoire est terminée. Pourquoi ils veulent notre mort? Je vais me transformer en JDG. En dessous. Il faut vraiment passer en dessous, Maël, t'es sûr? Allez, Jérém. Ouais, mais t'inquiète, la carotte, je sais pas si t'es là depuis quand. Mais tu sais, je lâche pas, moi. Je suis pas un... Tu vois, pour que je quitte le jeu, faut y aller. On a saigné ensemble sur HP1. On saignera ensemble sur tous les jeux qu'on fera. Que ce soit sous forme de Harry, d'Hermione ou de dragon foireux en mode clavier-souris. On y arrivera. En dessous, ok, je vais en dessous, hein. Je suis le conseil de Maël. Mais la porte, elle est fermée, je la vois là, déjà. Elle est fermée. Mais pourtant, j'y ai déjà accédé ici. Ah, j'ai pas pris assez de citrouilles. Vous pensez que c'est ça? Faut que je prenne des citrouilles pour ça que ça soit ouvert? Parce que là, faut que je passe là. Là, j'ai pas le choix, faut que ça soit ici. Tu vas y arriver, peut-être. Moi, je sais pas, il faut que je prenne plus de citrouilles parce que là, c'est le seul accès que je vois. Attendez, on va prendre le plus de... Enfin, c'est pas les dragées qui fait durer le temps, apparemment, de ce que vous me dites, c'est les pâtes à citrouilles. J'essaie de regarder... En fait, je suis tellement focus sur là où je vais que je regarde pas le timer en haut. Sinon, ça va se terminer sur jeuxvideo.com. Hein.
C'est grave, parce que là, je crois que je pourrais le faire les yeux fermés. C'est là où ça devient grave. De toute façon, là, il n'y a aucune citrouille, genre. Je peux pas augmenter mon temps, là, et c'est pas possible. Elle est où, l'entrée? Ok, elle est là. Ah! Allez, avec tes grosses ailes, là. Avec tes ailes de SUV, là. Non, en fait, je reviens sur mes pas quand je fais ça, c'est ça le problème. Je sais pas si vous avez une meilleure vision que moi. Cette nuit, tu vas rêver que tu incarnes un dragon. C'est exactement ça. Jérém, c'est un tryharder. Exactement, voilà, Electromel. C'est la salle avec les deux étages. Ouais, mais le truc, c'est qu'elle se ressemble trop, là. Moi, je m'y perds, en fait. Le truc, en plus, c'est que c'est tellement long d'y accéder, là. C'est l'épreuve de qui, déjà? C'est quel prof? Que je la trucide après avoir terminé? C'est McGonagall, c'est Métamorphose? Je pense, ouais, hein, pour me transformer en dragon. Non, mais regardez la maîtrise du niveau maintenant. Là. Alors que la maniabilité, elle est vraiment pas terrible. Ok. La salle à deux étages. Ok, là, je suis dans ce truc-là. Ah ouais, mais je crois qu'à chaque fois, je reviens sur mes pas, hein, parce que... Ok, vas-y, on va là. On va là. Y a pas le choix. Là, il y a le feu. Je suis déjà allé ici. Donc ça sert à rien. Là, je sais pas, en fait. Là je suis Keblo. Je sais pas où aller, là. C'est là où je suis Keblo. Je ne sais pas. Là, c'est là d'où je viens. Attendez, il me reste un peu de temps ou pas? Là, c'est là d'où je viens, donc à chaque fois, je monte. Et à chaque fois, là, il y a deux entrées. Non, voilà, qui ne sera pas facile. Il y en a qu'une, mais c'est un enfer. Vous voulez me faire prendre des dragées pour avoir un peu de... Ton temps s'augmente quand tu passes des caps et pas quand tu manges des citrouilles. Ah, c'était pour ça. C'est la salle d'avant. Ah bon? Pour débloquer, je pense qu'il faut que tu manges un Berti crochu. J'ai vu la couleur, elle est jaune. Oh, super bon. Oh, c'est un signe. C'est le goût banane, je crois. Hein. C'est un signe, ça veut dire que c'est la bonne. Non mais oui, le timer, c'est quand je passe dans les portes. Ça, c'est sûr. Je pense que effectivement les dragées, les citrouilles, ça n'a rien à voir. Ok. Le problème, c'est que là, c'est limpide, je comprends. Mais passer le truc là des toits là, là je suis du père. C'est le goût de la victoire. Ouais, je pense, ouais. Après, voilà, j'ai dit chill, hein. Si vous voulez, on parle de plein de choses pendant que... Si vous avez n'importe quelle question sur Harry Potter ou autre, n'hésitez pas. On en a peut-être pour un moment... Ok, là j'arrive dans cette salle du diable. Dans cette salle du diable, je monte. Ici, je n'ai pas le choix. Il faut que je passe dans ce passage. Je n'ai pas le choix. Ok, mémotechnique, je n'ai pas le choix. Et il y a un feu, il y a du feu. Vas-y. Ok, là je n'ai pas le choix. Ici, est-ce que j'ai le choix? Je peux redescendre. Ah oui, je peux redescendre. Ok, oui. Effectivement, ça me parle. Et là, je peux passer là. Oui, ok. Donc là, faut juste que je me dépêche. Putain, mais c'était vraiment le goût de la victoire. C'était la banane de la victoire. Bon, le dragon, là. Putain, j'ai l'impression de conduire un Range Rover, là. Oh. On y va. C'est... Oh, mais...
Mais il est pas coopératif du tout, ce dragon. Quel enfer. Allez, avance, nom de Dieu. Avance. Voilà qu'il sera pas facile. Mais quel enfer. Bon, je crois que j'ai capté le chemin, comme Kyo. Là, je suis au niveau Kyo, j'ai capté là où il faut passer. Mais les gars, passer mon dragon dans les plateformes, là, c'est impossible. La rage est pas faf. Ouais, c'est ça, exactement. Non, justement, faut que je m'en remette, justement. Condition faf, la rage. On y va. Cette fois-ci, c'est la bonne. Attendez. Haute dragée. Je suis mazo ce soir. C'est le contenu. On s'en fout, je regarde la couleur. De toute façon, je sais pas. C'est juste, si c'est vomi, je vais le savoir. Mais là, j'en ai aucune idée. Ça ressemble à du poivre, quand même. C'est du poivre. Let's go. Mais, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Le poivre. Pas si mauvais, en vrai. Pas si mauvais. Donc, ça peut être un goût de la victoire. Ok. Là, j'ai toutes les strats. J'ai toutes les données. J'ai toutes les datas. Je peux faire les yeux fermés. Je peux le faire clavier-souris avec mes pieds. Y'a pas de problème. Ok. Donc là, on est en mode chill. Comme le titre de ce stream l'indique. Là, il y a zéro problème. Là, on est en vacances. Tout va bien. Là, on sent que demain, c'est un jour férié et que c'est un week-end prolongé. Là, on est bien. Ok. Là, on commence à se mettre en condition faf la rage. Parce que là, il commence... Ah, pas avoir de choix, il faut y aller. Faut pas se poser de questions. C'est pas le choix, faut y aller. Là, il faut que je descende, parce que c'est la fameuse salle à deux étages. C'est celle que j'ai pas compris, parce qu'elle ressemble tellement à celle d'avant. Ok ? Et là, je peux passer ici, y a aucun problème. Voilà. Et là, il faut que je me dise que mon dragon n'est pas une Range Rover, c'est une petite Twingo. C'est une Twingo qui peut aller partout, qui est maniable. Je peux faire des créneaux absolument partout. Regardez la maniabilité de cette petite Twingo sous forme de dragon. J'ai l'impression d'être... Là, je suis large. Attendez, faut que je mette le feu à ça. Non, on s'en fout. Non, vas-y, on prend l'étoile, on s'en fout. Eh, mais pourquoi? Ah non, faut que je mette le feu, c'est Hermione qui doit... Ah, y'a plus de timer? Y'a plus de timer? Mais non, je suis bête, y'a plus de timer. Attendez. J'ai câblé au bout. Ah, je pensais qu'il y avait un timer. C'était le poivre. Le goût de la victoire. C'était le poivre, en fait. La réponse. Mago Nagal, je vais te fumer, la sœur. T'es pas prête. Vous avez fini votre épreuve dans les temps, mademoiselle Granger. Dans les temps ? Vous n'avez pas récupéré les 5 boucliers. Voulez-vous repasser l'épreuve pour améliorer votre résultat ? Alors là, quand... Mago, je t'adore et tout, hein. Maggie Smith, grand respect et tout. Mais là c'est mort, là. Je veux plus voir ton chapeau, là. Je veux plus voir. Je veux plus voir tes rides. Je veux rien voir de toi. Je veux pas voir ton cardigan. Je veux rien voir. Quitter pour forever. Vous êtes prêt pour l'examen final du Glacius? Vas-y, on enchaîne en plus. Ah oui, mais Glacius, c'est cool, c'est avec c'est Harry Bobsleigh. Vous connaissez déjà les règles. Récupérez les 5 boucliers du défi pour obtenir la meilleure note. Compris. Les 5 boucliers. Ah, j'ai failli l'allumer, Mago Nagal, là. Heureusement qu'on a switché vite sur Harry. L'épreuve est un peu plus difficile que nos exercices avec Glacius. Alors, bonne chance. Si tu meurs, tu le fais avec les pieds? Bon, franchement, en termes de contenu, vous avez pas envie de voir ça. Je vous assure que vous avez pas envie. Glacius. Ok, c'est bon. Donc là, on est en mode JO d'hiver. C'est parti. C'est quoi déjà pour Alexia? Ah, c'est ça, je crois.
Bon, les dragées sont, sont secondaires. En vrai, Harry se tape ses meilleures vacances d'hiver. Là, il y a une étoile. Ouais, non, 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 on s'en fout, on s'en fout. On connaît, ça c'est le piège. Ah bon ? Ah, ok. Ah non, ça, il faut les récupérer et il faut leur balancer. Voilà. Ah, il y en a plusieurs, ok. La famille. Il y a toute la smale. Ah ! Aïe ! Aïe ! Aïe, vous faites mal ! Attendez, je peux le récupérer, lui ? Moi, je peux pas le récupérer. Ah, voilà. Bon, Harry, fais pas ta chochotte. Il va y en avoir combien, comme ça ? Et on est dimanche soir, les petits potes, là, vous avez pas autre chose à faire, là ? Aïe. Ok, ok. Ça part sur un tryhard. Ah mince, je pensais qu'on pouvait avoir l'étoile là. Ok. Ambiance terrifiante, il n'y a plus de musique. Petite Sogo, grenouille toi-même, tu sais. Ah, faut qu'on les mette... Ok, faut qu'on les ramène chez eux. Ok. Ah, super. Allez, fais dodo. Toi aussi. Oh bah voilà, il y va tout seul. C'est merveilleux. Ok. Encore ? Non mais ils abusent. Bah attendez. Il y a un moment où je vais réclamer un salaire. Hein. C'est plus des épreuves. Hein. Ok, ça, ça rentre. Il y a lui là qui m'embête. Avec son trou de balle de feu. Ok. Oh, sinon, les sortilèges informulés, ça serait assez bien aussi, Harry. Hein. Ok, on descend d'un étage. Je sais pas combien il y a d'étoiles, 5, je pense. Ah super, ah oui c'est pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on vient de faire. J'aime la variété dans le level design. Il y a vraiment. Il y a vraiment de l'inattendu dans ce jeu. Ok, ok. Attends, il est tombé lui. Non mais. Il y a un moment, accepte ton destin là. Ok, ça dégage. Ok, attends, je vais prendre un petit chocolat grenouille. Ça peut pas faire de mal. Ah, il y a des vilains pas beaux. Ah, c'est des lutins de Cornouailles. Des petits potes. Je vais récupérer les dragées parce que je pense qu'après on pourra récupérer les cartes de chocolat grenouille. Je crois qu'il faut que je les vise deux fois. Alors. Non, juste une fois, ça suffit. Bon, je récupère mes dragées. Ok. Attends, déjà 4 boucliers. Hein. Là, on est efficace, là. Ils font quoi, eux, déjà ? Ah oui, c'est eux qui balancent. Hop. Ah oui, il faut que j'essaie de faire les combos, là. Hein, quoi ? Ok. Encore d'autres ? Aïe ! Il exagère, Harry, parce qu'il perd 5% de vie. Il exagère un peu sur ses réactions, quand même. Hein. J'arrive pas à récupérer leur truc, là. Ah, ça y est. Ok, oh là, attends, ça arrive derrière. Ok, ils ont mis tous les obstacles. Ouais, mais c'est quoi ça ? Putain, il y a des dracos au feu là. Eh, c'est Pokémon, les gars, vous êtes trompés de licence là. Par contre, ouais, je vais crever. Je vais les Glacius peut-être.
Ah, quoique là, je peux l'avoir, lui. Voilà, ok. Donc maintenant, je spam Glacius. Ah oui, c'est Glacius Erectus Infra, ouais, pour les exploser. Ok. Ah, il y en a d'autres, évidemment. Et eux, ils sont faciles, hein, vraiment. Ok. Faut être régulier, faut pas se laisser submerger. Oh, le level interminable. Encore ? Ok. Je suis Harry Potter, les patins. Je suis le héros de l'histoire, vous m'aurez pas. Attends, il faut peut-être que je fasse un truc, non? Ah, faut que je fasse ça, non? Mais ouais, je suis bête aussi. Parce que sinon, ils renaissent dans le feu. Ouais, je pense que c'est ça. Ok, il y en a un autre là, ouais. Et là, il faut que je fasse Glacius ici. Ah, ok. Ça pouvait durer... Alors, en fait, je crois que sinon, ça dure forever. Hein. Ok. Ok, on remonte parce que... Du coup, on va retourner à la première étoile qu'on avait vue. Ok. Je vois pas en quoi ça fait partie d'une épreuve. Mais vas-y, let's go, ça fait plaisir. Wow, celle-là on l'a... Bravo, Harry, on l'a speedrun, hein. Celle des sortilèges. Wow. Salut Chouquette, ça va? Je n'arrive pas à y croire. J'étais ravi de vous avoir en cours d'enchantement. S'il avait pas réagi, on serait encore à éclater des dracs au feu. Ouais, il y a un moment, j'ai percuté. Ok, bon, en plus là, on a réussi tout, mais en vrai, celle-ci était beaucoup plus simple. Hein. Du coup, on va quand même être félicité, même si on n'a pas les tout. Il se passe quoi? Content de voir que vous avez tous trois survécu à la période des examens. Oui, survécu au sens propre. Très amusant. Parle pour toi, je vais faire des cauchemars pendant des mois. Ouais, moi aussi, hein. Des cauchemars de dragon. Voyons si vous avez mérité de passer en quatrième année. Ah oui, putain, le suspense. Hein? Mot de passe de portrait, 0 sur 8. Ah ouais, je m'en suis pas intéressé. J'ai que 14 cartes de collection sur 80. Rencontre avec les lutins, 0 sur 5. Accompli les tâches de troisième année. Oh, faut que j'aie tout bon. Il me semble que vous avez encore des choses à terminer. Ouais, bah non. Allez-y. J'ai rien à terminer, les amis. Hein. Je crois que ça va s'arrêter. Je crois qu'Harry Potter 3, c'est terminé. Oh, on peut se balader, par contre. Oh, c'est très sympa. Hey, Harry. Ouais, quoi? Ah oui, il veut me revendre la Wit sorcière. Ah, c'est très sympa de se balader comme ça. Bon, les tournois et tout, je pense que j'ai fait le tour. C'était très sympa, mais voilà, quoi. Comment vous allez les gens? Première fois que je viens ici, c'est cool, dis donc. Bah merci Chouquette. Bon, je sais pas si t'es arrivé au meilleur moment du stream, parce que j'étais en mode tryhard, en mode je voulais à tout prix finir les épreuves de troisième année. Mais là vraiment, je vais pas tryharder au point de toutes les réussir. Par contre, ça fait plaisir de se balader comme ça. On pouvait vraiment se balader comme ça déjà avant J'ai pas l'impression. Bah, ils ont pas fait l'autre entrée. Ah, il y a une carte choco-grenouille ici. C'est marrant, il y a quand même de la petite exploration à faire, c'est sympa. Et on peut pas rentrer, non, on peut pas rentrer à l'intérieur. Hey, Harry, par ici. Oui, bon, bah, hé. Hey. Et Dumbledore et McGonagall, là, plutôt que de pas me faire passer en quatrième année parce que j'ai pas 20 sur 20, un petit lit de sauvegarde, ça peut être pratique. Ils veulent pas réprimer un peu le trafic là, Poudlard?
des lutins. Burke. N'approchez pas. On a une invasion de lutins sur les bras. Ah, mais c'est ça que j'ai pas fait d'ailleurs. Qu'en faire pour t'aider? Lancez des sorts dans le puits pour secouer les seins. Vous devrez agir ensemble pour vous débarrasser d'eux. Si vous n'atteignez pas tous les lutins du premier coup, vous pouvez réessayer aussi souvent qu'il le faut. Vous aurez une carte de collection chaque fois que vous atteindrez les seins. Si vous envoyez tous les lutins dans le puits, cligne des yeux, je t'en supplie. La carte de la série. Mais ce ne sera pas facile. Elle était terrifiante. J'ai rien écouté de ce qu'elle a dit. Ah non, il faut être trois. Oh, il y en a plein. Donc ça, on a besoin de faire ça pour passer en quatrième année. Ça n'a rien à voir avec le programme scolaire. Qu'on soit bien d'accord. Aïe. Ok. La préfète nous a dit que nous gagnerions les 5 cartes de la série si nous chassions tous les lutins. Il y en a d'autres, ça veut dire? Répulsant. 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 Ah non, je pense qu'il y a d'autres lutins à... à attaquer ailleurs. Ah, c'est bien, du coup il faut faire de l'exploration, ça me parle. Plutôt que de refaire du perfect sur les épreuves de galère là. C'est cool, bah vas-y, on continue. Ok. Donc là, je crois que c'est. La cabane de Hagrid. Elle était là, ok. Là, on a. Là, on a quoi du coup? On peut aller plus loin encore? Ou c'est la sortie de Poudlard, on peut pas? Choix de la course de Hippogriffe. Sélectionne une course en cliquant sur un chiffre. Ah, ça me dit quelque chose, je l'ai déjà fait ça, je crois, non? Ah non, j'ai pas fait la course 2, ça veut dire? Ah non, c'est juste des sauvegardes. Ok, bah vas-y, on va Bonjour, faire... Bonjour, Harry. Tu viens faire un tour avec l'hippogriffe? Ouais, vas-y. Si ça ne vous dérange pas trop. Aucun problème, Harry. Ouais, moi je vais faire la course. Le son du diable. Je sais pas si je l'ai déjà faite, celle-là. Ah, mais c'est trop dur. J'ai réussi. Ça me dit rien, les anneaux comme ça. Mais attends, la maniabilité, elle est affreuse, là. Comment on fait? Ouais, la maniabilité, elle est horrible. Oui! Oui! C'est horrible parce que le moindre petit coup de souris... Ah là, j'ai même pas vu le rond. Oh. Ça va bien se passer. Ouais, c'est moyen. Hein. Là, je peux pas me... Je peux pas me lever, c'est trop bizarre. Là, ça me lève, ok. C'est bon. Bon, l'hippogriffe, c'est pas. Je préfère c'est le. Bon. Je pensais pas dire ça un jour sur le stream, mais je préfère le balai. Ok. Score total 2800. Ah bon, bah j'ai gagné une carte. Là d'ailleurs, faudrait qu'on fasse le tour des cartes. C'est Hogwarts Legacy à l'époque HP là. Ouais, ouais. Non, c'est Hogwarts Legacy là, hein, le jeu. Hein. Je me souviens qu'il y avait cette bleue. Ah bah non, je vais continuer un peu. Je me souviens qu'il y avait cette blague un peu au temps de la sortie du jeu, enfin juste avant. De jouer aux anciens jeux puis de dire que c'était Hogwarts Legacy. C'était assez rigolo. Donc ok, bah on va revenir vers Poudlard en vrai, non? Mais franchement, je sais pas si pour l'époque c'était pas mal, mais je trouve que l'exploration elle est assez sympa en vrai là.
Alors peut-être qu'à la même époque, il y avait d'autres jeux qui étaient encore plus impressionnants, mais... Les graphismes sont pas dégueux, je trouve, hein. En tout cas, on est plus immergé que dans les deux premiers, hein, ça c'est sûr. On sent vraiment une nette évolution dans le monde du jeu vidéo, quoi. Ah. Attends, du coup, il y a des dragées à récupérer en Elasticus. Ouh. Ah ouais, ok, stylé. Elasticus. C'était cool. T'as Ron Hermione, il me suit vraiment comme des petits chiens. Il y a un jeu différent pour chaque année. Ils savent comment faire de la thune. Ouais, ouais, il y avait un jeu vidéo qui était simultané avec la sortie des films. Et ouais, et pour les trois premiers, on est vraiment sur des jeux rétro. Donc, qui ont assez peu de choses à voir avec le film en question. Enfin, ça, y a un lien avec l'histoire, on le sent, mais ça s'arrête là. Ah, j'ai ouvert un truc ou... Ok, loup. Et par contre, à partir du 4, je crois que c'est différent. À partir du 4, j'ai l'impression que c'est vraiment... Le jeu ressemble beaucoup plus au film, quoi. On est un peu plus immergé dans l'univers du film. Alors que là, le 3, bon... Il y a quelques éléments du film, mais on sent que le jeu vidéo a été développé... A été développé à part, quoi, de la production du film. Ok, il y a un Lumos. Franchement, je préfère tellement ces parties-là de jeu à explorer que les épreuves, là, vraiment, les épreuves, c'était l'enfer, hein. Désolé, hein, mais... Je sais pas ce que ça a débloqué, le Lumos. Vous avez vu quelque chose? Ça a débloqué quoi, Lumos? Il n'y a pas de cinématique, rien. Peut-être là. Ça a débloqué un truc de l'autre côté. Non. Ça, c'est un... Ils font juste des animations. Je sais pas, je sens qu'il y a un truc à débloquer ici. Mais je sais pas quoi. Ça, faut peut-être que je le laisse comme ça. Non, là je vois pas, je sèche, je ne sais pas. Je ne sais pas. On va aller voir de l'autre côté, là je vois qu'il y a un passage là. Ah bah non, c'est Dumbledore et il nous bloque la route. Il nous bloque la route, ils veulent absolument qu'on finisse notre quatrième année. Je pense que là, on rentre à Poudlard, du coup. Ça, c'est sympa, par contre, hein. Vraiment qu'on puisse se balader. Ah ouais, mais ça, par contre, c'est un peu moins cool. Je ne pensais plus jamais te revoir, Peeves. Cette armure a l'air brûlante. Ouh, qu'en dites-vous, mes petits? Il est flippant, le Peeves, là. Faut qu'on soit à 3. Glacius. Hey, ouste, Potter. Fuis. Récupère les serpents. Il lance des torches. Il lance des torches. Récupère les serpents. Glacius. Attention. On voit le finito en 2 secondes, lui. Merci.
Va voir Fred et Georges. Ah ouais, pour tous les trajets, ouais. Le faire pleurer comme ça. Ne t'inquiète pas, il reviendra bien assez vite nous casser les pieds, crois-moi. Ok, Ron. Ok. C'est où déjà? Est-ce que j'ai une carte? En mode la salle commune. Ah non, c'est vrai que c'est le gros truc de jeu là, c'est que on a le plan par étage. Mais la carte te dit pas ce qu'il y a dans chaque étage, ce qui est un peu énervant. Du coup, la salle commune de Gryffondor, je sais pas. Hey, Harry, par ici. Attends, faut peut-être que je suive tout bêtement le truc Gryffondor. Non, bah non. Ah, je sais plus moi. On va sauvegarder. La salle parce que Fred et George, ils sont dans la salle de bain. Ah ouais, non, il faut peut-être suivre les tapis. Attendez, ça me dit quelque chose en plus cet endroit. Non, là c'est le cours. Là c'est la bibliothèque, donc c'est pas ça. Là on retourne dans les escaliers. Et là c'est... Non, c'est fermé. Ça doit être la réserve, je pense. Ah, bon courage, Maud, pour demain. Merci d'être passé, ça fait trop plaisir. De toute façon, je pense que je vais cutter le live dans pas trop longtemps non plus. Surtout que là, je sais pas si j'ai vraiment la flemme ou pas, là, de... J'ai pas trop aimé ce jeu, en fin de compte. Enfin, je trouve qu'il y a des évolutions intéressantes par rapport aux deux premiers. Notamment toute cette partie exploration. Il y a plein de petits défauts, je trouve, qui viennent gâcher l'expérience joueur. J'ai pas du tout aimé que l'histoire se termine aussi facilement. Enfin, et aussi rapidement, surtout. Si ça t'intéresse. En gros, on a fini la partie narrative. Mais non, je m'en fous. Non, merci. Alors, à plus tard. Je vais aller juste voir Fred et Georges, mais je crois qu'ils... Ah, mais... Voilà, ça, par exemple, c'est des bugs qui sont un peu chiants. Parce qu'en gros, ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est de faire l'histoire. Alors, à plus tard. Fortuna Major. Ok, ok. Donc là, on peut y aller. Attendez. Si nous voulons savoir ce que cache ce portrait, nous devons acheter le mot de passe. Ah oui, il y a les mots de passe et tout. Ah ok, ok, c'est là, du coup, Fortuna Major. Ok. Et Fred et Georges. Tu vois, par exemple, les graphismes et tout, les lieux... Carrément, c'est carrément plus cool que les deux premiers. Mais la partie, ouais, la partie histoire est un peu décevante. Ah, par contre, pour accéder à la salle de bain, je me souviens plus. Attendez, là c'est le... Oh non, mais ouais, ça doit être par là. Ah, ça doit être là. Ah oui, ok. Salut Fred, salut Georges. Donc peut-être qu'on a assez... Cette carte de collection est vraiment très prisée. Difficile de s'en séparer. Ok, donc là peut-être que... Ouais, vas-y. Ouais, je prends. Ouais, en fin de compte, j'aurais pu en acheter à l'autre d'avant parce que c'est le même principe. Oh, une très belle carte et c'est une affaire. J'ai combien de citrouilles? Attends, bon, ça, je vais acheter. D'accord. Et on fera l'inventaire. Là, j'ai 1300. Et les citrouilles, j'en ai combien? Je peux voir ou pas? Ah, j'en ai 160. Ah ouais, j'ai de quoi faire. Vas-y, je vais tout prendre. Oh, une très belle carte et c'est une affaire. Mon préf, c'est le 2. Mais j'adore faire le 1 en speedrun. Mm-hmm. Ouais, ouais, ouais. Ça a l'air bien. Je l'achète. En fait, j'aime bien explorer le 3, mais... Ouais. C'est... Après chocolat, est-ce qu'il y a de mieux pour faire le plein d'endurance, Harry? Non, ça, je m'en fous des chocobonnets. Non, je m'en fous. Non, merci. Non, merci. Alors, par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est les cartes. Ouais, tiens, il y en a encore là. Oh, une très belle carte. Et c'est une affaire. Attends, je vais baisser un petit peu la cam. Hop. Nickel. Super, marché conclu. J'ai plein de thunes, là, avec toutes c'est les épreuves. C'est la seule qu'on est en stock. Pas mal, hein? Ouais, pas mal. Ouais, acheter. Je prends. Oh, une très belle carte. Et c'est une affaire. Après, on va regarder, on va passer en revue toutes les cartes. Super, marché conclu. Ok, est-ce qu'ils en ont d'autres ailleurs? Ouais, mais celle-là, elle doit coûter trop cher, non? Voilà une carte de collection très spéciale, Harry. Allez,
on te l'offre si tu arrives à trouver toutes les autres cartes de la série. Ah oui, non, ok, c'est la carte de fin, ok. Ouais. Je ne sais pas vous, mais moi je vais réessayer les trois défis. Ok, ils ont tout. Avoir... Et donc du coup, notre inventaire, si on veut aller voir... Non, ça c'est la carte. Ok, ça c'est les boucliers. Attends, comment on fait pour accéder aux cartes Choco Grenouille du coup? Le menu des mots de passe, la carte du maraudeur, le niveau, le nombre de secrets. Manquer quelque chose. Bah attends, c'est vous qu'on peut avoir l'inventaire? Ah, il y a un menu là? Non? C'est bizarre un peu. Je vois pas de flèche. Bah pourtant dans le 1 et le 2 on pouvait voir tout. Ah c'est là en fait. Ah pardon, c'est là, ok. Ok. Et là après on revient en arrière. On a carte des sorciers célèbres. Carte des sorcières célèbres. Les cartes de Quidditch, la carte des vampires célèbres, les cartes des gobelins célèbres, bon ils sont tous célèbres, carte des harpies, carte des géants, carte des dragons et carte des monstres, ok. On est à quoi, 3 sur 15, 7 sur 15, 1 sur 5, ok, il en reste pas mal quand même. Hein. On a Fulbert la Trouille, 1014-1097, ne sortit de sa maison que lorsqu'un sortilège fit s'écrouler son toit, ok. Et pourquoi du coup ça me dit là par exemple j'en ai 3 mais j'en vois qu'un? Fulbert la Trouille. Ah, il y a le son. 1097. Ne sortit de sa maison que lorsqu'un sortilège fit s'écrouler son toit. Ok, ça veut dire que j'ai 3 fois la même? Ah non, là il y a les petites flèches, pardon. Ok. Rogan Stump, 1770-1884. Ministre de la magie très populaire, nommé en 1811. Ok. Falco et Salon, Antiquité. Premier exemple connu d'Animagus, ce grec pouvait se transformer en faucon. Ok. Je suis sûr que c'est des infos qu'on peut retrouver sur le wiki, tout ça. Parce que souvent, les premiers jeux étaient cités, enfin, étaient sourcés, en fait, comme référence. Notamment parce que J.K. Rowling y a contribué. Là, par exemple, Falco et Salon, ça aurait été le premier Animagus, donc potentiellement le sorcier qui a créé cette magie. Intéressant, donc ok, donc ça c'est les cartes des sorciers. Les sorcières maintenant. Béatrix Bloxam. Béatrix Bloxam, 1794-1810. Auteur des contes. Salut, des crottes du crapaud, interdit car il cause des nausées. De retour, tu as passé la terrible épreuve du dragon. Ouais, dans la sueur, mais on a réussi. Attends, j'ai même pas écouté ce qu'il a dit. Auteur des contes des crottes du crapaud. Ok. Honoria Nutcombe, 1665-1743, fonda la société pour la mise au rebut des vieilles sorcières. Ok. Carlotta Pinkstone, née en 1922, fit campagne pour annuler le code du secret établi par la Confédération internationale des mages et sorciers et révéler aux moldus l'existence des magiciens. Ah, c'est chiant ça. Mademoiselle Pinkstone fut emprisonnée plusieurs fois pour son utilisation délibérée de la magie dans des lieux publics. Ok. Saccharissa Tugwood, 1874. Saccharissa Tugwood. Pardon. 1874-1966. Pionnière des potions de beauté, découvrit les propriétés curatives contre le pu de Bubobulbe. Ok. Ah, je sais pas si on va toutes les faire en vrai, hein, parce qu'en plus la lecture elle est un peu lente. On en a beaucoup là. Sir Herbert Varney, Bloody Blood. Bloodwin Blood. Bloodwin. Ouais, ouais, ça les lie à chaque fois. Ok. Mais vraiment, je vais pas tryhard pour avoir la full collection. Je vous avoue, c'est pas ma priorité. Je pense que ça sera tout pour Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Expérience pas désagréable, mais assez déçu en fin de compte. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça que c'est pas le jeu qui revient souvent dans les préférés. Les sorcières, elles ont moins de trucs stylés, ça se voit que c'est un vieux jeu, ouais.
C'est ouf toutes les infos des jeux. Non, mais ouais, vraiment, les jeux rétro, ils sont sur le Wikipédia. Il y a beaucoup de références aux anciens jeux, ouais. Tu peux débloquer un personnage secret, genre jouer à Grid. Je sais pas si on a vu ça. Quelque part dans le menu. Ah oui, là. Je sais pas si on peut jouer à quelqu'un d'autre. En fait, on a un nombre de secrets trouvés restants dans ce niveau. On a des nombres de secrets. Mais de personnages, je sais pas. Je crois pas, non. Je crois pas. Je pense que c'est Harry, Ron et Hermione. Ouais, dans le menu personnage. Ouais, ouais, j'y suis là. Non, je crois pas en vrai. Ou alors, il y a un truc qui m'échappe. Non, bah, je pense que la prochaine étape, ça sera la coupe de feu. Mais comme je vais peut-être galérer à trouver une version correcte et tout pour jouer depuis mon ordi, je sais pas. Pour le gaming, peut-être qu'on fera un. C'était suggéré de faire les Lego Harry Potter. Et ça serait cool quand même de faire un jeu un peu plus moderne et tout, comme les Lego. En plus, les Lego, ils sont super drôles. Ils sont super agréables à jouer. Ça pourrait être sympa. C'est quand la première ministre sorcière? C'est une excellente question. Je ne sais pas, mais il faudrait regarder sur le wiki. Du coup, si tu trouves pas la coupe de feu, tu pourrais lancer la série Lego. Ouais, bah c'est... ouais. Attends, si on faisait un sondage, qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Attendez, là je vais quitter. Parce que la musique, en plus, elle m'épuise un petit peu, je vous avoue. Hop, je vais vous récupérer ici. On va se mettre notre petite musique d'ambiance du soir. Hop. Ah, on est bien là. On est bien. Parce que en vrai, qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Mais moi, je suis sûr que... Je sais même pas si ça vaut le coup de faire un sondage. Parce que par exemple, si je propose quête secondaire Hogwarts Legacy pour le prochain live ou jeu Lego... Harry Potter, je pense que c'est les jeux Lego qui vont gagner de toute façon. J'avoue, la musique finit par taper sur le système, on est d'accord, il n'y a pas que moi, ouais. On peut voir les photos? Ouais, bien sûr. Les photos par le sorcier. Hop. Ah oui, non, attendez, il faut juste que je change un truc. Attendez, je suis à vous dans deux secondes. Parce que, en plus, les vieux jeux sont un peu souvent de ce côté-là. Voilà. Donc, par le sorcier photo que vous voyez ici... non, ça, je me suis trompé. On va essayer de faire les choses bien. Hop, hop, voilà. N'hésitez pas à aller suivre le sorcier photo et les petites photos avec Marina. Elles sont sur notre compte Instagram et sur nos réseaux sociaux. Et elles sont comme ça. Donc, on en a une en mode Patronus. À la base, Marina, elle voulait un chat, mais comme elle a son tatouage en forme de phénix... Du coup, elle est partie plutôt du principe que le phénix de son tatouage se matérialise comme son patronus. D'ailleurs, GG, hein, le sorcier photo, je sais pas si t'es encore dans le chat, mais je crois que oui. GG, hein, c'est trop beau, là, la petite animation du tatouage qui prend vie. Ouais, c'est trop beau. Et du coup, c'est moi le chacha. Voilà. Et là, c'est aux couleurs de nos maisons. Donc, ici, Serre d'Aigle, Marina Gryffondor. Et voilà, et ça, du coup, c'est un petit montage qu'on a fait avec le logo de la fréquence. Trop, trop bien. Ah, t'es encore là, le sorcier photo. Non, mais vraiment trop bien, j'adore ton travail. Vraiment très, très beau. Il me semble que c'est Hermione, la première ministre sorcière. Bah écoutez, on va voir. Je sais pas si... Oh, je pense qu'il y en a eu une avant elle, j'espère. Que nous dit le Wikipédia, les amis? On va aller sur le Wikipédia. Let's go. Alors, si on tape ministre de la magie. Non, j'ai fait une faute, non? Non, c'est bon. On va regarder. Je suis sûr qu'il y a le. Ah, ça se trouve, il n'y a pas. Attends, ministère. Ok, ministère. Nanana. Les départements. Ministre de la magie. Et là, je suis sûr qu'on a le listing. Voilà. Et là, je pense que la référence, c'est beaucoup les jeux. Je sais pas si c'est... Si on a une note de bas de page. On va peut-être plutôt sur les premiers. Attendez, si je remonte dans le temps.
Non, pas nécessairement ici. Mais peut-être avec le prénom, on peut... Ouais, des fois, c'est un peu difficile, parce que quand c'est des vieux prénoms, pour savoir si c'est des hommes ou des femmes... Non, là, par exemple, c'est un homme, j'avais un doute. Uli Comp, Damocles Roll, Perseus Parkinson, Eldritch Diggory, tout ça, c'est des hommes, hein, c'est vrai. Albert Boud, Basil Flack, Esphaestus Gore, un des premiers horreurs, donc non, c'est un homme. Maximilien Crodi, Porteus Natchbull, je sais pas trop comment le dire. Flagorner Osbert, Artemisia Lufkin. Ah, voilà, on l'a ici. Mais je crois qu'on l'avait en carte, non? Justement, on l'a pas vu, elle. Artemisia Lufkin en 1798. Enfin, entre 1798 et 1811. Première sorcière à devenir ministre de la magie, fondatrice du département de la coopération magique internationale, fait pression pour l'organisation d'une coupe de Quidditch en Grande-Bretagne pendant son mandat et y parvient avec succès. Bon, une ministre en plus moderne. Et là, si on va dans la source, c'est le jeu La Chambre des Secrets. Voilà, apparition sur une carte de Choco-Grenouille. Le wiki francophone source... Enfin, prend les jeux vidéo comme source sur tous ces personnages qu'on voyait dans des cartes de Choco Grenouille. C'est intéressant. J'avais pas capté pour le tatouage, tu fais bien de nous en parler. Ouais, c'est sympa, le petit clin d'œil. Hogwarts Legacy pour la carotte. Ouais, mais je pense que tout le monde veut les jeux Lego. Hein. Les jeux Lego sont super, en tout cas, moi qui ne suis pas du tout une gameuse, j'ai même fait le Lego 1 à 4 à 100%. Ah ouais? Ouais, ils sont sympas, les jeux Lego. Hein. Moi, ça me dit bien de les tester. Hein. Fais le sondage quand même. Oh, si tu veux. Hein. Si tu veux. Hein. Hop. En plus, on n'est pas beaucoup là sur le live. Mais on peut quand même. Hein. Alors, petit sondage. On joue à quoi ? Après, Hogwarts Legacy, jeu Lego. Hop. Voilà, vous pouvez voter normalement. Jérémy, je t'ai envoyé une autre Madeleine Le Proust avant que tu commences la game. Oh bah de toute façon, je vais pas commencer maintenant, mais vas-y Alex, je vais regarder. Ah, les... Ouais. Attendez, je peux... Je vais essayer de montrer aux gens. C'est les premières... Bah non, je le dis pas. Je vais le mettre là. Hop. Je la télécharge. Hop. Toc. C'est les premières éditions... de la bibliothèque de Poudlard, les animaux fantastiques et le Quidditch à travers les âges. Grave. Ouais, il y a même les petites notes manuscrites. Ouais, ça, je m'en souviens de ces éditions-là. Pas mal du tout. J'aime beaucoup. Voir les résultats. Jeu Lego à 64%. Donc ouais, je suis pas très étonné. Les jeux Lego, ça peut être très sympa en live. Hein. Ceux qui sont là sont ceux qui sont toujours là et qui restent en général jusqu'à la fin. Ouais, vous êtes les best. Vous êtes les best des best. Ça fait plaisir. Bah écoutez les amis, il est presque 23h. Moi, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a plu, ce petit live fin de HP3. Même si c'est pas le meilleur jeu, même si c'est pas là où j'ai pris le plus de plaisir, j'espère que c'était quand même divertissant. On a fait combien de... Je sais pas, on a fait peut-être 3 lives déjà de HP3, mais je pense que c'est largement suffisant. Le 4, je sais pas ce que ça va donner, mais de toute façon, pour le moment, il faut que je le trouve et que ça tombe bien en live. Donc je pense qu'on va faire une petite dégression par les jeux Lego. Pourquoi pas, donc dimanche prochain, commencer... les jeux Lego Harry Potter, moi ça me dit bien, c'est assez sympa. Et puis de toute façon, bah, on garde contact, le live Twitch, de toute façon c'est aussi pour discuter et tout. J'ai vu que ça vous intéressait quand je parlais de jeux de société et tout.
Avec Marina, on est un peu chaud en vrai, en plus, pour tester des nouvelles choses en format vidéo. Maintenant qu'on a fait le live, en plus, au bal des sorciers, qu'on a pu tourner la vidéo. D'ailleurs, sorti samedi prochain pour tout le monde, les patronus du Patreon ont eu accès à l'enregistrement au bal des sorciers en podcast audio et vidéo hier. Et donc, du coup, ça sort pour tout le monde le samedi prochain. Attendez, je peux vous faire un petit teasing si vous voulez, si vous êtes encore là. Attendez, restez avec moi deux petites secondes. Si je vais. Vous voyez pas mon écran. Hop. Parce que la vidéo n'est pas encore sortie, mais je peux vous la montrer un petit peu. Voilà. Hop. C'est un peu fort. Vous êtes branché sur la fréquence. Hop, hop. J'arrive, je suis avec vous. Voilà. Voilà la vidéo. 9, 3 quarts. Le podcast. Donc l'émission dure un peu moins de 2 heures. Et voilà, donc le premier format vidéo. Bonjour de la fréquence. À tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9, 3 quarts. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. Comme annoncé, nous sommes bien au bal des sorciers pour un enregistrement spécial en public. Ça va tout le monde? Ouais. Je vais écouter la fin maintenant. Ok. En vidéo, là, on voit rien, mais autant que Taylor Swift hier soir. Ouais, à au Paris. Moins. Autant. Donc voilà. Donc ça, c'est du coup le chapitre 25 qu'on a enregistré en deux fois au bal des sorciers. Donc là, c'est la première partie, l'enregistrement du vendredi avec Océane, et ensuite on a enregistré le samedi matin, donc le second jour du bal des sorciers. Et cette fois-ci, et auditrice qu'on c'est reçoit. Avec Est-ce que Pauline. Tu peux nous expliquer, Pauline, c'est quoi ton qui était dans le ton chat tout à l'heure. Fan, comment t'as découvert Harry Potter? À peu près à quel moment? Voilà, vous pourrez nous voir en vidéo. S'il y a une chose que je déteste, c'est un mange-mort en liberté. Voilà, donc sorti déjà disponible sur le Patreon et sorti pour tout le monde samedi prochain. Voilà, et je crois avoir vu la question tout à l'heure de quelqu'un du Patreon qui demandait est-ce qu'il y aura un after show. Oui, il y aura un after show du coup samedi prochain. Et justement, où on a reçu Pauline et Océane, qui nous ont accompagnés sur les enregistrements du bal des sorciers, et on fait un petit débrief ensemble, voilà, du bal. En plus, c'est pas mal parce qu'on a leur point de vue à elles en tant que participantes en fait, du bal des sorciers, alors que nous, comme on animait, qu'on faisait deux enregistrements, on n'a pas vu grand-chose de l'événement, donc si vous ne connaissez pas l'événement, ça peut vous donner une idée, une idée générale de ce qu'était l'événement, et puis peut-être vous donner envie pour l'année prochaine, parce qu'il y aura une édition l'année prochaine. Et ça nous ferait trop plaisir de vous y voir, parce que c'était super sympa cette année. Donc voilà. Écoutez les amis, hop, je vous mets la petite musique comme d'habitude. Passez une très belle soirée, fin de soirée, très belle nuit à vous. C'était toujours sympa ce petit live du dimanche. Merci Jadif pour ton abonnement offert à qui, je ne vois rien, offert à Praline Petit Beurre. Et promis pour dimanche prochain, je corrige ce petit truc d'alerte là, je vais essayer, je croyais avoir réussi mais là ça fait des trucs random. Le petit cadeau pour la fin, merci beaucoup Jadif pour Praline Petit Beurre, ça fait trop plaisir. Bonne soirée à tous, merci d'être présent, c'était trop bien de rencontrer certains d'entre vous et certaines d'entre vous au bal des sorciers. Ça fait toujours plaisir de vous voir virtuellement sur les réseaux sociaux, dans les lives, sur le Discord et compagnie. On a beaucoup de chance d'avoir cette communauté, on est très fiers d'elle, de vous, ça veut dire. Et voilà, donc à dimanche prochain sur Twitch, et sinon en podcast et compagnie, vous connaissez. C'était Jérémy du stream 9 3/4, nouvelle photo de profil grâce au sorcier photo, nouvelle DA, mais toujours le même état d'esprit Potterhead, c'est ça qui est le plus important. Bisous à tous, à bientôt. Ciao. Bisous.